Je commence bien, moi. Écoutez, je commence l'année avec vraiment, enfin, mon premier live avec une bêtise. Vous n'allez pas me croire. Bon, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Attendez, j'essaye de bien cadrer quand même. Parce que dans la panique, j'ai fait n'importe quoi. Alors, je vous explique avant de... Attendez, je reviens sur du coup le chat. Non mais n'importe quoi. En gros, j'étais pas sur la bonne chaîne. J'étais sur Ola Cookette. Mais Ola Cookette, c'est une toute petite chaîne pour l'instant. Et du coup, voilà, je vais mettre la lumière blanche. Et du coup, je n'ai pas assez d'abonnés et j'ai pas encore rempli toutes les cases pour pouvoir faire du live. Donc, j'avais un message qui me disait. Attendez, faites voir si je vais pouvoir vous le montrer. Du coup, j'étais en panique. Je dis, mais non. Bah non, il l'a pas encore si. Je vais mettre synchroniser pour voir, reprendre la synchronisation. Et du coup, j'avais un message qui me disait, bah, nous étudions. Ah bah voilà, c'est bon, je l'ai. Attendez, je vais vous montrer ça. Mon iPad est dégueulasse, hein, comme d'habitude. Voilà, revenez dans 24 heures. J'ai dit, quoi? Mais je reviens pas dans 24 heures, c'est pas possible. Non, 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 non. Donc j'étais en panique, mais j'étais pas sur la bonne chaîne. Voilà pourquoi. Donc me revoilà. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Je vais ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. J'espère. Oui, mais vous êtes déjà nombreux. Attendez, on est combien déjà? On est déjà 4... Attendez, non. 42 déjà. Oh! Déjà, je vous souhaite une excellente année 2024 et non 2023. Hein? Donc, je suis bien en 2024. Hein? C'était juste une étourderie de ma part pour annoncer tout à l'heure. J'en avais qui me disaient, ah, Judith, elle est encore en 2023. Non, non, je suis en 2024. Donc, je vous souhaite une excellente année. Écoutez, profitez de la vie, j'ai envie de vous dire. Réalisez vos rêves, réalisez vos voeux. Et puis, prenez soin de vous, c'est très important. Donc, j'espère que vous allez assouvir tous vos rêves. En tout cas, vivez. Hein? Quand vous avez une idée dans la tête, faites-la. N'attendez pas. Il faut la faire. Voilà. Eh bien, bonjour Nathalie. Bonjour Elinor. Bonjour Elodie. Odile. Je vois déjà des rires. Je vais lire tout ça. coucou Sonia. Coucou Pascal. Izzy. Je vois des nouveaux noms aussi. Des nouveaux membres. Coucou Magali, Béatrice, Christelle, Corinne, Christiane, Béatrice, j'ai déjà dit, Nathalie aussi, peut-être que c'est une deuxième. Qui c'est que j'ai pas vu? Agnès, Corinne, il y a beaucoup de Corinne aussi. Nathalie, j'ai déjà dit. Linda, qui c'est que j'ai pas vu? Je crois que j'ai dit tout le monde, non, peut-être pas encore. En tout cas, ceux qui arrivent. Oh là 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 là, il fait beau en Martinique. Bah, ici, il y a la neige. Hein. Ici, il fait froid. Gla gla. Odile. Bon, bonjour à tous. Kirikou. De la Guadeloupe. Oh mon Dieu, c'est ensoleillé là-bas. Oh là là, merveille. Merci, merci à tous. Attendez, je survole quand même vite fait les messages pour voir si j'ai rien oublié avant de commencer. Bonne année, évidemment, à tous. Bonjour tout le monde. Ah là, quelle bêtise, franchement, je n'étais pas sur la bonne chaîne. Et puis, j'insistais en plus, hein. J'insistais. Alors, bonjour et bonne année à tous. Hello. Ok, santé, découverte. Ok, merci. Voilà, ça y est, je suis connectée. Et aujourd'hui, on va faire un truc, on va faire des trucs géniaux qui vont vous intéresser, j'en suis sûre. Parce que si vous êtes aussi nombreux, on est combien? Ouais, c'est ça, 46. Oh là là, je n'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est ça, 46. Donc, si vous êtes aussi nombreux, à mon avis, c'est que ça vous intéresse. Ça vous intéresse tout ça. Et vous allez voir, on va s'amuser. Alors, YouTube fait des siennes. Non, YouTube fait même pas des siennes. C'est moi qui faisais des miennes. J'habite pas loin de Carcassonne. Oh là là. Moi, j'habite à Agen, du Nord, Montauban. Ah, on est, ah franchement, j'ai une communauté. De toute façon, quand je regarde mes statistiques mondiales, hein, y a même des coins que je ne soupçonnais même pas qu'il y avait internet. Mais franchement, je suis vachement contente. Hein. Vous êtes vraiment. J'ai une communauté, j'ai de la chance, je suis privilégiée. J'ai une communauté qui est vraiment adorable. Et vraiment. Bon,
Vraiment, notamment, excusez-moi, je lis en même temps la résine UV Cléopâtre 100 grammes est dispo sur Perle & Co. Je ne le savais pas. Merci Magali. J'étais en train justement, j'allais poser la question. J'ai des news aussi par rapport à ça aussi à vous dire. Attends, c'est une question? Alors, info pour les intérêts. Ah non, non, c'est une affirmation. Merci Magali. Magali, les bons tuyaux. Attendez, je regarde vite fait. Ok, je suis à jour. Bonsoir Kirikou Elodie, Sandrine, Mademoiselle Sem. Allez, je dis bonjour à tout le monde. Le Sud en force, ouais. J'aime bien tes vidéos et j'ai envie de me lancer aussi. Et bah t'attends quoi? Il faut juste y aller, hein. C'est tout. Il faut y aller. Bon, allez, on va commencer le programme. Je vous l'explique. Je vais vous montrer tout ça. J'ai préparé tout derrière. Donc, on va faire de la résine UV, des strass, de la pâte polymère. La pâte polymère, je vous l'ai déjà montré. On l'a fait dans le live, pas le live précédent, mais celui d'avant, je crois. Vous connaissez la technique. Mais on va quand même travailler, on va faire du post-polymère. Donc, si vous voulez, si vous arrivez et que vous ne connaissez pas cette technique, je vous encourage à aller regarder dans ma playlist. Dans ma playlist des lives, des replays des lives, et vous allez voir cette technique. Donc, on va aller piocher dans ce qu'on avait fait auparavant pour pouvoir faire la création ou les créations d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va aller piocher là-dedans. Évidemment, la résine UV LED. Du coup, on va utiliser ma nouvelle résine chouchou. La Cléopâtre, moi je dis nouvelle, mais ça fait un bout de temps déjà que je l'utilise. Et les strass. Alors, on va utiliser aujourd'hui des chaînes strass. De toute façon, tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui, vous avez les liens. J'espère n'avoir rien oublié. Si toutefois j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez retrouver les liens donc en description, à savoir que ce sont des liens affiliés. Quand vous utilisez un de mes liens, pour vous, ça ne change absolument rien. Si vous aviez l'intention évidemment de l'acheter, je ne vous pousse pas à consommer, je le répète. C'est vraiment si vous n'avez pas, par exemple, les outils que j'ai. Mais franchement, si par exemple j'utilise un pic en métal et que vous avez un cure-dent, ça fait l'affaire, d'accord? Mais si toutefois vous débutez, vous voulez vraiment vous équiper et que mes outils vous intéressent, ben si vous cliquez via mes liens, à vous ça ne change absolument rien sur le prix, mais à moi, étant donné que je vous ai recommandé tel ou tel outil, tel ou tel produit, eh bien je touche une petite commission. Donc si vous voulez comment dire me soutenir gratuitement, eh ben c'est le moyen. Donc tous les liens, peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart des liens qui sont en dessous sont affiliés. Je vous en parlerai justement où trouver, parce que il y en a qui galèrent pour trouver la résine UV LED. Bah, du coup, je rajouterai le lien de Cléopâtre, de Perle & Co. Puisque j'avais sollicité Perle & Co et Cléopâtre pour qu'ils nous mettent la résine UV quand elle est sortie chez Perle & Co. Chose faite, mais en 25 grammes. Mais ça, pour des personnes comme moi, c'est un échantillon. Hein, on est d'accord. Par contre, pour ceux qui débutent et qui veulent connaître, ou bien ceux qui veulent qui n'en font pas tant que comme ça, c'est un format franchement idéal. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer vite fait. Alors, l'objectif, c'est de faire, en fait, de marier donc, la polymère, la résine UV, et les strass, vous voyez, pour faire ce genre de création. Alors évidemment, moi je vais vous montrer certaines formes, je vais vous montrer certaines perles de strass, mais à vous de choisir ce que vous voulez, et certains moules aussi. Donc vous voyez ce qu'on peut faire, des choses relativement simples. Donc je ne vais pas utiliser ces strass-là, parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Alors ce sont des strass que j'ai achetées sur Amazon, je vous ai mis aussi des liens. Ce sont des strass de verre. Ce sont des strass de super bonne qualité, je trouve. Vous voyez, donc il y en a de toutes les formes. J'aime bien les petites navettes comme ça. C'est avec ces navettes-là que j'ai fait celle-ci. Vous voyez, elles sont vachement, vachement classe. Donc, il y en a aussi de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, donc, ça va être la chaîne 2 mm. D'accord, on va utiliser celle-ci, qui est très facile du coup à travailler, et c'est aussi une chaîne que j'avais utilisée à l'origine pour faire un tuto avec le Crafty Friends Club, et c'était le thème, c'était les années folles, les années 30, c'était quoi,
Ah, ça me revient pas. Mais bon, vous allez le retrouver de toute façon dans ma playlist. Alors, je ne vous fais pas un plan de mon atelier parce que c'est pareil, c'est une vidéo qui va arriver parce que j'ai changé quelques petites choses dans mon atelier. Alors, les membres, vous avez vu les évolutions, les dernières évolutions avant que je tombe malade en décembre. Voilà, il y a du nouveau, mais je vous garde un petit peu la surprise parce que ça arrive dans des prochaines vidéos. je perds ma voix, je regarde vite fait la chatroom. Jamais tes vidéos, oui, bah ça j'avais lu. Bonjour, merci Sabine, Véronique, Sheratan ou Sheratan, je sais pas. Alors le chat, s'il y en a qui veulent participer et qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne sont pas abonnés. J'ai ouvert le chat en fait qu'aux abonnés pour éviter d'avoir, comme d'habitude, hein, ceux qui ont l'habitude de venir savent que, eh bien, il peut y avoir des trolls qui viennent nous embêter. Eh bien, bannis les trolls. Hein. Donc pour les bannir, eh bien, le seul moyen que j'ai trouvé qui existe pour l'instant, c'est de n'accepter que les abonnés dans la chatroom. Donc si vous voulez participer, posez vos questions et que vous n'êtes pas abonné, bah, allez-y, abonnez-vous. Il vous faut 20 minutes pour pouvoir participer au chat et je vous assure que dans 20 minutes, je serai encore là. Ça, c'est une certitude. Bon, le programme est là. Tu as rafraîchi ta page, Nathalie. Ah, il y en a qui ont des problèmes. Ah, j'espère que... on est 53. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien, si vous me confirmez. Parce que je vois qu'il y en a qui ont trop belles les BO noirs. Merci. Je vois flou. Ah, c'est Nathalie. Comment faire? Rafraîchis ta page et baisse la résolution. Et si ta voix me manquait. Oh, merci Sylvie. Essuie tes lunettes. Non, je pense pas que ce soit ça. Et ça se trouve, elle n'en porte pas. Hein. coucou Hélène. Moi, j'ai aucun problème. Comment faire rafraîchir? Alors, tu as ici... Moi, bon, je vais te montrer sur la tablette. Ici, en fait. Touc, touc, touc. Tu as la petite flèche. Et tu baisses la résolution. Attendez, je vais vous montrer. Pour baisser la résolution... Tu vas aller dans les trois petits points. Ah oui, mais ils ont disparu parce que ma chatroom est là. Bon, ah non, tu vas ici, voilà. Ici. Non, c'est pas là. Non, faut pas me signaler. Hein. Enfin, bah, tu te débrouilles. Hein. Attendez, je reviens. Allez, on démarre. On démarre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui tombent, moi, c'est cool. Ok, faut cliquer sur la flèche ronde pour rafraîchir. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith, je suis passionnée de loisirs créatifs. Je crée des bijoux, des accessoires que je vends sur ma boutique. Et je crée aussi des tutos que je vends aussi sur une autre boutique. Du coup, je ne vends pas tout. Je vends les bijoux et les accessoires sur une boutique. Et tout ce qui est téléchargeable, tout ce qui est tuto, gabarit, c'est sur une autre boutique. Mais vous avez tous les liens, c'est pareil, en description. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je partage mon savoir-faire, hein, ça vous le savez, pour ceux qui sont réguliers et ceux qui ne le savent pas. Voilà, ce qui vous reste à faire en fait, c'est de vous abonner pour pouvoir abonner et cliquer sur la petite cloche, pour pouvoir être notifié quand il y a du nouveau contenu. 2024 est là, il va y avoir du nouveau contenu. Je peux vous dire que, en fait, ce que je voulais vous faire, c'était une grosse vidéo avec bah, mon nouvel atelier. Oh, merci pour les petits cœurs. Tu es excellente. Oh, arrêtez, je rougis. Arrêtez. Alors, si tout va bien, faut, ok, ça j'ai eu. Sur le rouage. Ok. Ok. Merci, Elinor. Dans les paramètres. Ok, bon, je pense qu'elle va trouver avec toutes vos informations. Merci à vous. Et oui, donc je voulais vous faire une grosse vidéo atelier tour et tout ça. Mais le problème, c'est que ça allait prendre du temps parce qu'il fallait filmer du coup avant, après, enfin, avant, pendant, après. J'ai eu en fait l'idée de me dire, mais attends, au lieu de me prendre la tête après de faire tout le montage, tout machin, parce que moi, je sais que quand je commence à faire des vidéos, oh, arrêtez avec vos petits cœurs, arrêtez, oh. Et je sais que quand je commence à, comme ça un chantier vidéo, la vidéo va durer super longtemps. Donc, je me suis dit, bah, je vais filmer en fait façon vlog. Voilà, donc vous allez avoir ça comme vidéo qui va pas tarder. Et puis d'autres tutos, les membres aussi, il y a des choses qui arrivent pour vous. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, quand vous voyez dans la chatroom, toutes les personnes qui sont en vert, ce sont des membres.
Ce sont des membres VIP qui ont accès à plus de contenu, des live chats en direct en semaine. D'ailleurs, ça va redémarrer là, la semaine prochaine. Des tutos du mois, tous les tutos. Tous les mois, il y a un nouveau tuto et ce que je crée, en fait, est à gagner. Donc, tous ceux qui veulent gagner le tuto, enfin la création réalisée, peuvent participer à un tirage au sort. Ça, c'est pareil, il y a des nouveaux tutos, les derniers tutos sont... On va faire des lives, les membres, pour pouvoir savoir qui va gagner. D'ailleurs, je suis en retard, je dois envoyer... Bon, je vous en reparlerai, les membres qui ont gagné les derniers tutos. Hein. On se reparle, hein, d'accord. Et puis, vous avez d'autres contenus, des vidéos bons plans, des choses dans ce genre-là. Beaucoup de partage, parce qu'on partage beaucoup de choses entre nous. Voilà, donc si vous voulez devenir membre, vous n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre. Vous avez deux formules, soit j'en veux plus, ou là vous avez accès seulement au live chat, ou le coin des créateurs, où là vous avez la totale. Hein. Vous regardez, tout est bien détaillé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va commencer sans plus tarder. Alors, je perds ma voix. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, enfin si, avec mes hommes. Si tu portes des lunettes. D'accord, ok. Merci Linda. Bon courage Nathalie, oui. Tu es la seule que je suis. Oh, mais merci Linda. Mais tu sais, il y en a plein d'autres. Hein. C'est vrai que dans le monde de la polymère et tout ça, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui soit ne sont plus là, ne sont plus actives. Mais je suis persuadée que... Attendez, j'ai mis mon tapis chauffant à chauffer, mais là, j'ai mis un peu trop à chauffer. Je vais diminuer un petit peu. Je suis persuadée qu'il y a des nouvelles. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir ou faire partager les... on est 63, wow! Ou faire partager justement les des nouvelles créatrices ou créateurs, hein, que ce soit en pâte polymère, en résine ou que sais-je, hein, qui vraiment qui méritent de se faire connaître ou de faire grandir votre chaîne, ou même pour votre chaîne à vous, n'hésitez pas à aller dans Trucs et Astuces de Polymériste. C'est un groupe Facebook que j'ai créé. Vous avez aussi le lien en description et vous avez la possibilité de partager les tutos sur le mur. Ça, c'est vivement recommandé. Hein. Donc, si vous voulez faire votre autopromotion, vous avez tous les vendredis la possibilité de le faire pour vos boutiques, vos produits et autres. Hein, je partage tous les vendredis, en fait, un post où vous pouvez mettre, par exemple, si vous faites des moules, si vous faites des emporte-pièces ou je sais pas, un truc vraiment qui peut plaire à la communauté, bah, tous les vendredis, vous avez la possibilité de partager, de faire votre auto-promotion via ce poste-là. Sinon, si vous avez des tutos ou bien des astuces et que vous voulez partager ou même faire connaître votre chaîne, eh bien là, vous pouvez poster directement sur le mur quand vous voulez, hein, et vous faire plaisir. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, ce dont on va avoir besoin, donc, c'est de la résine UV que je vais mettre pour l'instant de côté parce qu'on va commencer par travailler la polymère. On va choisir les pièces. Bon, je vais éteindre mon tapis, je le rallumerai plus tard. Tapis chauffant, est-ce que je vous en reparle, hein? C'est un tapis pour les terrariums, les terraries apparemment, je crois qu'on dit. On a la visite de mon chien, Gabi, qui n'a rien à faire ici. Qui m'entend parler, qui doit se dire, mais à qui est cause celle-là? Ils sont tous en bas, les autres. Bref. Et du coup, qui me permet de travailler aussi bien la pâte polymère que la résine UV? Pourquoi? Parce que ça chauffe avec une chaleur douce. Avec la pâte polymère, ça permet de ramollir la pâte polymère. Ça, c'est vraiment top. Alors, j'ai deux formats. J'ai ce grand format-là. Du coup, pour la pâte polymère, bah, c'est super génial parce qu'en fait... voilà, ça a une grande surface, ça c'est le 20 watts je crois, et j'ai le petit format qui est derrière dans les boîtes, qui a un 5 watts et du coup qui est grand comme ça, voilà, et qui permet en fait, qui me permet quand par exemple je travaille derrière, pardon, ben, de travailler une petite surface avec la résine UV par exemple. Voilà, donc ça c'est bien, parce que ça permet avec la polymère de ramollir la pâte et de travailler avec toujours une pâte molle, surtout par des températures comme là, pour ceux qui ne sont pas au soleil, hein, qui ne sont pas au bord de la mer, hein, tous ceux qui, les Iliens là, hein. Donc ça permet aussi de travailler la résine UV, notamment parce que si on travaille la résine époxy avec, ça diminue en fait le temps de travail avec la résine, puisque ça commence à catalyser plus rapidement, ça accélère la catalyse. Oh là là, ma voix.
Mon Dieu, je mue. Et donc, avec la résine UV, ça permet de casser, ça la liquéfie. Surtout pour les résines UV qui sont très gel, eh bien, ça va vous permettre de liquéfier votre résine et d'éviter en fait les bulles. Ça fait remonter les bulles et ça fait casser les bulles. Notamment si vous avez des petits moules avec des petits interstices. Voilà, vaut mieux chauffer votre résine enfin, légèrement avec une chaleur douce, je le répète. Voilà, et j'apprends beaucoup avec toi. Oh, bah, je suis contente. C'est le but. Hein. En fait, ma chaîne, du coup, ça permet... en fait, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui, avec ma chaîne quand j'ai débuté parce que j'aurais appris, mais à une vitesse. Et j'aurais évité des bêtises. Mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre par moi-même et puis de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Quoi pas faire. Quoi faire pas. Quoi ne pas quoi faire. Vous avez compris. Alors, donc, vous avez vu, on va utiliser la pâte polymère. Donc là, je vais utiliser les pièces qu'on a réalisées auparavant. Alors, je vais... je vous lis, mais en même temps, j'essaye de rester dans la cadence parce que je reçois... vous en avez déjà parlé, hélas. Moi, je vous dis, redis encore une fois, le live, c'est un moment... Le super live créatif, c'est un moment entre vous et moi. On partage. Sauf que je ne peux pas être là et là-bas en même temps. Ce qu'il me faudrait, c'est une assistante ou un assistant qui pourrait me lire le chat en même temps et être interactif en même temps pour que je puisse avancer en même temps. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se plaignent. Ouais, trop de blabla, trop de... Ouais, tu racontes trop ta vie, mais je m'en fiche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Peut-être pas ça, ça t'intéresse pas, bah va, passe ton chemin. Mais voilà, donc voilà, j'ai reçu quelques commentaires encore là-dessus. Bon, maintenant, je ne cherche plus à répondre, hein. Je supprime directement, j'ai pas de temps. Je supprime, et si vraiment c'est insistant, je banne. Maintenant, c'est comme ça. 2024, j'ai pas de temps pour ces gens-là, d'accord? On reste dans la positive attitude, et voilà. Maintenant, effectivement, j'écoute. Donc, j'écoute les critiques, et s'il y en a de plus en plus, parce qu'il y a la critique, comment dire? La critique constructive, j'en ai pas reçu. J'ai reçu que des agressions, là, hein, pour l'instant. Ouais, trop de blabla, vas-y, nanana, et tout. Non, moi, en tout cas, j'ai pris ça comme une agression. Je suis ouverte à la critique, je suis ouverte à tout. Je suis vraiment quelqu'un... je vais pas me vexer ou je vais pas... Ah, c'est comme ça, allez, je te banne. Non, faut vraiment aller un peu loin quand même pour ça. Donc, étant donné que j'en ai reçu quelques-uns en plus, je me dis, ok, je vais discuter avec vous. On va partager des choses, mais je vais essayer quand même d'aller à une cadence un peu plus, parce que c'est vrai, quand je relis, ça m'arrive pas souvent, mais quand je relis mes lives, en replay, il faut s'accrocher. Mais après, il y a les fonctionnalités de YouTube où on peut accélérer. Vous avez les trois petits points, vous accélérez. Ok, je parlerai plus vite, mais ou bien vous allez, il y a le chapitrage qui se fait maintenant automatiquement avec YouTube, donc voilà. Mais je vais quand même vous lire là, parce que... avec toi, c'est que du bonheur, ça change les idées. Ah, merci Nathalie, bah, c'est le but en fait, hein. C'est vraiment de vous couper de votre... voilà, c'est vous apporter un... Vous changer un petit peu de tout ce que vous... De votre quotidien, et c'est notre moment à nous, quoi. Voilà, ah oui, bonjour à ton loulou. Oh oui, bah il est reparti du coup. Ok. Coucou Annie. Partage énormément ses astuces, contrairement à beaucoup d'ailleurs. Ouais, mais c'est pareil. Moi, il faut que... C'est vrai, il y a un temps où j'étais énormément active sur YouTube, où je regardais mes confrères et mes consoeurs. Mais c'est vrai que je le suis de moins en moins. Et c'est vrai qu'il y en a... Je ne sais pas si je le suis de moins en moins ou s'il y en a de moins en moins. Attendez, je vois que je ne suis pas bien cadrée. Ok. Alors, on va démarrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir... Alors, je vous explique. J'ai sorti le moule, je l'ai remis à sa place. Je vais utiliser un moule lettre de Cléopâtre, toujours, hein, qui va me permettre de faire ça. Je vais ranger aussi, ça. Il est là. En fait, ce bijou, j'ai utilisé la lettre O, comme vous pouvez le deviner. Voilà, la lettre O, qui me permet... Je vais vous montrer avec celui-là. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui. Qui me permet, en fait... Eh bien, de faire la puce d'oreille, voyez. Mais on peut très bien utiliser... Ouh, je commence à avoir chaud, là, mon chauffage est au max, il fait 24 degrés dans l'atelier. On va peut-être baisser un petit peu, hein. Voilà, je rallumerai si besoin, parce que j'allume un chauffage d'appoint, mais ouh, j'ai chaud.
Attendez, oh, j'enlève mon... Voilà, je... Hop là, je m'effeuille un petit peu parce que j'ai chaud. Attendez. Gabi veut passer en live. Ouais, Gabi veut encore passer en live. J'utilise aussi un tapis, mais c'est que chez nous, les pains de pâte sont durs quand ils arrivent. Ah ouais. Je trouve aussi, au contraire, que dans ce milieu, les filles sont très généreuses en partage. On apprend beaucoup sur YouTube. Ouais, au contraire, correction du correcteur. Qu'on lui demande. Ah oui. Je a sorti le sabre. Les gens veulent... Ok, attendez, je sais pas si ma chatroom, elle est à jour. Ouais, je pense que c'est bon, j'ai tout le monde. Et ça dépend beaucoup de certaines personnes. Je suis pas beaucoup de Françaises, vu qu'elles ont arrêté. Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc ici, on a vu, c'est la lettre O. Mais on peut très bien utiliser la lettre I. Oui, celle-ci. Ou on a aussi... Cela. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire la lettre O et on va faire soit celle-ci, soit celle-ci. Soit le petit tiré là, ou soit la lettre I, parce qu'après, qu'est-ce qui pourrait... Peut-être la lettre D. Alors avant de commencer le live, j'étais en train de chercher quelle pièce on va utiliser. Je pense qu'on va utiliser celle-ci. Hein. Donc on va la poncer, la polir. Non, pas la polir, la résiner. Et donc peut-être avec la lettre O. Mais c'est vraiment là, vous choisissez. Donc, je le redis hein, pour ceux qui ont manqué. Cette technique, on l'a vue dans un précédent live. Donc, si vous voulez la refaire, vous reviendrez... vous irez voir dans la playlist. Vous irez voir dans la playlist comment réaliser ça. La forme, c'est vous qui choisissez. D'accord ? C'est vraiment à vous. Après, vous vous amusez avec le moule et les différentes lettres. Et comme je vois, la lettre U, ouais, la lettre U, je l'ai déjà faite. J'en ai fait deux, en fait. Et j'ai mis un U à l'envers et un U à l'endroit, en fait. Et avec une jonction avec des anneaux, c'était top. Je ne sais pas où elle est, mais elle est quelque part. La lettre, qu'est-ce que vous me dites? La lettre V aussi. Attendez que je la retrouve. Elle est là. On peut la mettre à l'envers. Enfin, pas forcément avec cette pièce-là, d'ailleurs. Franchement... On peut changer autant. On peut prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Peu importe. Mais l'important, c'est de trouver, en fait, un moule qui soit assez fin pour faire passer la chaîne de 2 mm. Après, moi, j'ai utilisé du 2 mm, mais vous pouvez, bien sûr, utiliser du 3 mm hein, en fonction de votre moule. D'accord? Moi, j'ai trouvé que celle-ci, voilà, c'est nickel. Ça passe tip-top. Vous voyez? Attendez, je vois mal sur mon écran. Attendez, je vais essayer. Ouh là là là, je vais pas faire des bêtises. Oh, on va rester comme ça. Parce que j'essaie de faire des trucs, mais j'ai trop peur de vous perdre. La lettre D couchée, on est d'accord, je l'ai déjà essayé aussi. Attendez. La lettre D, comme ça. Vous voyez? Ça le ferait bien là. J'ai presque envie de le faire, tiens. La lettre, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, il n'y a que Judith pour penser à détourner les boules de lettres pour fabriquer des boucles d'oreilles. Bah, c'est mon cerveau, je ne dis pas rien, c'est comme ça. même la lettre C, regardez. L'important, c'est qu'on ait des accroches pour sur la polymère et aussi pour faire la puce d'oreille. Donc, la puce d'oreille, je vais vous montrer comment la faire parce que c'est important que ce soit super solide. Donc, c'est bien gentil, c'est bien joli d'avoir des superbes idées comme ça, mais il faut aussi que ce soit solide. D'accord? Donc, ouais, pourquoi pas partir sur cette pièce-là? Tiens, on va partir là-dessus au lieu de... Non, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Attendez, on va s'organiser. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors, j'avais aussi les petites. En fait, ça, je les avais gardées pour les... Pour faire en fait une série avec, voilà, par trois, comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Et faire une jolie... attendez, je vais l'enlever. Voilà, je voulais faire en fait une série comme ça. Bon, je dois les poncer, hein, parce qu'il y a des petites imperfections, je trouve. Voilà, je vais faire une petite série comme ça. Et ça, en fait, ce n'est ni plus ni moins que la découpe. Voilà, la découpe supérieure, en fait, de ça. Parce que même ça, on pourrait faire... Hop, une puce. Vous voyez, c'est le haut de ça, en fait. Donc, 1, 2 et 3. Et ça me fait... Voilà.
Ou bien ça peut servir juste de puce d'oreille pour une autre boucle d'oreille. Il est où le sac? Il est là. Donc je pense que on va partir soit sur cette pièce ou cette pièce. Parce qu'il faut qu'on démarre. Bon, on va déjà sortir ces deux-là et vous allez me dire. Après, franchement, à vous de vous amuser. Vous avez le choix. Hein, avec, je suppose, si vous faites de la polymère, vous avez forcément... Alors, moi, j'utilise de la polymère, mais si vous voulez utiliser de la résine, vous utilisez de la résine comme je l'ai déjà faite ici. En gros, ici, c'est de la résine époxy en noir. Alors, j'ai coulé dans des moules la résine époxy. Donc, en gros, voilà, c'était comme ça. Bon, là, je l'ai résiné, j'ai fait un glaçage par-dessus. Mais j'ai fait d'abord dans un moule ma résine époxy noire, on est d'accord. En plus, c'était une résine époxy vieille qui avait jauni. Donc, astuce, si vous avez des vieilles résines qui ont jauni, dont le catalyseur a jauni, le B, hein, eh bien, ne jetez surtout pas. Vous faites comme d'habitude, sauf que vous la colorez. Donc, moi, je l'ai colorée en noir. J'ai coulé dans les moules. Après, j'ai démoulé, j'ai poncé bien à plat. Et je suis venue faire ma petite composition avec les strass. Alors, celle-ci, je l'aime bien. Elle est trop classe. Par-dessus. Bon, il y a des petites traces de doigts, mais voilà. Donc, évidemment, ça, ce sont des bijoux que vous allez pouvoir trouver sur ma boutique. Alors, allez, on va vraiment commencer. On commence par laquelle? Attendez, je vous lis un petit peu. Coucou Christine, bonjour à toutes, je suis nouvelle, je m'appelle Christine. Eh bien, bienvenue à toi. Avec celui du haut, ok. Alors... Je suis fan du strass en rouleau D. Non, c'est pas un D, c'est... Ok, d'accord, c'est... par contre, qui pourrait m'aider, s'il vous plaît, pour pouvoir faire des côtés en résine Ah, des côtés, peut-être. Les côtés en résine sur la pâte polymère. Je suis désespérée, ça ne reste pas net. Les côtés, qu'est-ce que tu veux dire par les côtés? Izzy, si tu peux développer... Ok, bon. Ok, on va dire celle-ci, c'est la pièce numéro 1. Celle-ci, c'est la pièce numéro 2. Vous allez choisir. Voilà. Laquelle on fait? Attendez, j'ouvre un sondage. Alors, quelle pièce? Bon, je ne mets pas de point d'interrogation. Pièce, je vais mettre 1 ou 2. Attends, pièce 1, pièce 2. Comme ça, vous participez aussi. Pièce numéro 1, pièce numéro 2. Ajouter une option, non. Démarrer le sondage. Voilà, je vous ai lancé un sondage dans la chatroom. Voilà, pièce numéro 1, pièce numéro 2. À vous de me dire avec quoi on va commencer, avec quoi on va travailler. Alors, par contre, qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Oui, les côtés des pièces. Les côtés des pièces. Et en fait, c'est quoi exactement ton problème? Attends. Les côtés en résine sur la pâte polymère. Je suis désespérée, ça ne reste pas net. Quoi, c'est la résine qui reste pas net? Alors, pour la résine qui se tord sur... ah, si c'est ça, c'est parce que peut-être c'est ta polymère est très fine. Et du coup, ça se déforme. Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est la résine qui n'est pas brillante. Je sais pas. Bon, enfin, dis-nous-en. En attendant, moi, j'avance. Je vais monter tout ça. Alors, pour l'instant, je vois que... Ouvrir un truc. Attendez, je vais voir si je vois tous les commentaires. Modération, non. Ok. Ah, voilà, top chat. Moi, je veux chat en direct. Top chat, certains messages comme les spams potentiels peuvent être masqués. Chat en direct, tous les messages sont visibles. Voilà, moi je veux ça, moi. Ok, pour l'instant, pièce numéro 1 à 65%. Allez, je vous laisse quelques secondes. Pour la résine qui se tord. Ok, j'avais lu ça. Résine avec la fimo. Alors, je pense peut-être faire ses côtés avec des résines au pinceau. Ouais. Bon, j'attends qu'elle me réponde. Alors, on est sur de la pièce numéro 1. Hein? Allez, je mets fin au sondage dans 5, 4, 3, 2, 1. Boum.
Ok, on passe sur la pièce, on part sur la pièce numéro 1. Pièce numéro 2, éliminée. Je le mets là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger déjà le plan de travail parce que on va poncer. Donc, je vais ranger, je vais mettre mon petit truc. Donc, habituellement, quand je ponce, j'ai ma station de ponçage derrière pour ne pas justement salir mon plan de travail. Mon plan de travail avec la résine, la polymère. On va sortir Poupette. Je ne sais pas si elle est bien chargée, j'espère. Alors, Poupette qui est en fait ma perceuse, mini ponceuse, qui m'aide beaucoup et qui n'existe plus tellement vous l'avez achetée. Oh. Enfin, je ne sais plus s'ils l'ont mis, je pense pas. Mais je vous ai mis des liens de ses cousines. Ça, je vais en avoir besoin. Ça aussi. Et je vais avoir besoin aussi d'un masque. Parce qu'il faut toujours travailler en se protégeant les petits poumons, les mains et tout et tout. Bon, moi, je ne peux pas forcément me protéger quand je suis en live comme ça avec vous. Mettre mon gros masque à résine, c'est pas trop évident parce que vous m'entendez pas bien. Et puis, pour moi, c'est un effort supplémentaire. Donc, c'est pas évident. Mais surtout, protégez-vous. Alors, sur le dessus, je vais le poncer avec du... Oh, je pense que c'est... Je vais le poncer avec du papier vert ici et ici. Comme ça, la résine, elle accrochera encore mieux. Ici et ici, je vais le poncer avec mon embout feutre. Et ici, en fait, ça va me permettre de faire cette partie-là. Vous voyez, mais bon, vous pouvez très bien le faire à la main si vous n'êtes pas équipé, hein. D'accord ? Alors, attendez, je vais sortir. De quoi poncer ? Grossièrement, c'est à combien ça ? 220. Voilà, ça va suffire, je pense. Voilà. En fait, pourquoi... Il est un peu usé, celui-là. Ok, on va poncer ici déjà. Bon, ça va aller vite, hein. Bon, si vous en avez à la chaîne à faire... Vous n'hésitez... Alors, je pense pas trop. Bon, je me rappelle qu'on avait mis une petite surface de résine. Non, de pâte polymère transparente. Donc, je me permets de poncer, mais je ne vais pas trop poncer. Sinon, je vais arriver sur la couche inférieure qui va m'effacer mes motifs. Donc, il faut penser aussi à ça. Et quand on ponce... Aïe ! Faut pas poncer. Ah, j'ai les ongles qui ont un peu poussé, donc... faut pas poncer... avec un grain trop fin. Parce que si on ponce avec un grain... Aïe, avec un grain trop fin... Tu finesse. Eh ben, la résine, elle va pas adhérer. Alors, souvent, j'en ai qui me demandent... J'ai un souci, en fait. Ma résine, elle se détache de ma pièce en polymère. Alors, ça peut être pour plusieurs résines. Plusieurs raisons. Parce que vous avez trop poncé, vous avez poli. Du coup, là, il n'y a pas d'accroche. Et du coup, ça se lève. Soit votre pièce est vraiment très fine. Et du coup, il suffit de la tordre un petit peu pour que ça se décolle. Soit vous n'aviez pas bien nettoyé votre pièce. Et vous avez les mains grasses. Par exemple, vous avez travaillé. Et du coup, il n'y a toujours pas d'accroche. Qu'est-ce que ça peut être encore comme autre raison? Enfin, bref. Voilà, c'est déjà pas mal comme raison. Attention, on enclenche Poupette. Bon, je vais pas résiner sur les côtés. Pas si vous voyez bien. Je vais pas trop m'approcher parce que vous allez avoir de la poussière dans les yeux. Alors, c'est vrai que moi, en fait, j'avais ici ma plaque, du noir, ma plaque. Après, si vous voulez pas voir la tranche en noir, vous changez juste la couleur, vous mettez du blanc, hein. Moi, j'avais mis du noir, mais bon, vous pouvez très bien mettre du blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, Poupette, elle a toujours la pêche. Bon, si vous avez une Dremel, ça fait très bien l'affaire aussi, hein. Moi, j'utilise la Dremel vraiment quand j'en ai beaucoup à faire.
quand j'ai vraiment beaucoup de créations à faire. Ah, il est là. J'utilise la Dremel avec le fil. Et quand j'ai des petits trous à faire par-ci, par-là, j'utilise celle-ci parce que c'est vraiment plus pratique. Voilà, ça c'est tout doux. Donc je compte pas poncer en fait sur la résiner la tranche, c'est possible. Mais si vous comptez pas le faire, veillez vraiment à ce que ce soit tout doux et surtout si vous vendez vos créations, hein, à ce que ce soit tout doux et bien propre. Donc je vais l'essuyer et on va poursuivre. Hop, ça orange poupette. Orange. Ok, je vais garder encore 5 minutes mon masque. Question que toutes les petites poussières, les particules retombent. Ça, je vais le ranger là. Et on va poursuivre. Voilà. Alors, on va passer un petit coup d'aspi quand même. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon mini aspirateur de bureau, qui est bien pratique et qui est plein d'ailleurs, qu'il faut que je vide. Parce que du coup, ça me permet de nettoyer mon plan de travail en un rien de temps. Alors, allez, j'enlève mon masque, parce que là, du coup... Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, toutes celles qui viennent d'arriver. Je suis fan de Stras. Ok, j'avais vu ça. Mon Dieu. Il y a des trucs que j'ai ratés. Oh là là, il m'a pas... Il y a un truc... C'est quoi tous ces messages? Alors, quand vous faites le dessus et le dessous avec la résine, vous faites... Comment vous faites pour faire les côtés? Bah, Isis, si tu veux, on en reparlera... on en reparlera entre membres. Parce que du coup... Je montrerai plus pratique. Je crois que même dans les tutos. Mais oui, Izzy, si tu es membre Le Coin des Créateurs, va voir dans ma playlist tuto du mois et tu verras, il y a plein de tutos où je montre justement ça. Notamment, attends, je vais y aller vite fait. Je vais aller sur YouTube. Je vais te montrer. Vite fait. Ma chaîne. Playlist. Attends. Je vais vous montrer ça en même temps. Comme ça, vous allez voir. Playlist, tuto du mois. Tuto du mois. Boum. Donc voilà. Donc, t'es dans les tutos du mois. Et je vais te dire. Je l'ai utilisé. Bon, on va aller au tout début. Voilà. Je l'ai utilisé, cette technique, dans... Voilà, le tutoriel Victoria. Déjà. Voilà, le collier Victoria, tu l'as. C'est cette technique-là. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, tu vas voir le tuto Victoria et tu vas comprendre comment bien résiner ta pièce. Parce que moi, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui ici. Je vais la résiner que sur avant-arrière. Quoi. Voilà. Avant de la résiner, je vais faire les trous. J'aurais dû attendre avant d'aspirer. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Je vais faire les trous comme ça, mon résinage sera d'autant plus beau. Parce qu'en fait, quand je fais quand je résine ma pièce, attendez. Pardon. Quand je résine ma pièce et qu'après je la résine, ce qui peut arriver, bon, ça m'arrive moins, mais ça m'est déjà arrivé, c'est qu'en perçant, les deux surfaces se décollent. La résine UV, la résine, parce que c'était pas de la résine UV, c'était de la résine se décolle de la pâte polymère avec en fait, et oui, ça c'est surtout quand on perce avec le mandrin à main. Ça dépend des pièces, ça dépend des résinages, ça dépend de l'accroche encore une fois sur votre pièce. Il se peut en fait que ça se détache au moment que vous percez. Donc faites le trou avant, moi c'est ce que je vais faire. Donc, on part sur une lettre... Ah oui, il faut qu'on détermine. On part sur une lettre O. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, quelle lettre on peut utiliser déjà pour que je puisse savoir l'emplacement des trous?
Ah, le D, ça va être chaud, hein, parce que, regardez, si on fait D, on va pas avoir où accrocher. Le D, on peut le bannir déjà. Peut-être dans ce sens-là et encore. Ah, si, dans ce sens-là, si c'est possible. Voilà, le D, ça peut le faire. Le O, donc, comme je disais, hein, parce que bon, j'avais pas envie de. Oh, je sais pas si ça peut faire. Ouais, si, ça peut le faire. On pourrait aussi, au lieu d'avoir ici la forme V, on peut vraiment arrondir. Il faudrait que je le travaille un peu plus pour que le O puisse bien s'insérer. Vous voyez? Bon, après, ça fait un style aussi comme ça. Ça donne vraiment une direction et à voir. Franchement, ça, c'est après, c'est vous qui voyez. Si vous avez une idée de quelle lettre on peut faire, dites-moi tout de suite. Pendant que je lis un petit peu le chat. Poufette Marc Popoulou. Et dans mon panier Amazon. Elle a été restockée. Arrête! Oh, trop bien! Alors, il faut que je la trouve pour que je vous, la, que vous, que je vous remette le lion. Le lion. Le lia. Oh my god. Mais tu as tout à fait raison de parler en même temps. Ça met de l'ambiance et c'est super. Ok, bah écoute, ils sont satisfaits. Ça, ok. Bah moi, de toute façon, hein, je m'en moque, mais je les écoute quand même, quoi. C'est ça, tu commences à faire les côtés avec le pinceau et deuxième. Bah voilà. Oui, poupette. Ah, 55 euros! Mais c'est quoi ça? 55 euros? Non, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Moi, je l'ai acheté 19-20, hein, un truc dans ce genre-là. Hein. Ah non, 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 n'achetez pas à 55 euros. Hein. Vous allez avoir d'autres poupettes, là, là, ses cousines, ses sœurs, ou je sais pas quoi. À un prix, non, 50 euros, c'est abusé. C'est abusé. Peut-être qu'il y a eu tellement de ventes qu'ils se sont dit, on va restocker. Et vas-y, ça a l'air de plaire. On va leur mettre ça à 55 balles et on va s'en mettre plein là, dans la poche. Que dalle! Allez voir les cousines. Mais c'est quoi cette histoire? Ben sinon, autant prendre une Dremel à ce prix-là. Il y a, moi, en fait, il y a la Dremel aussi. Elle a Dremel sans fil. Je l'ai rangée où? Attendez, je sais même pas où je l'ai mise. J'ai changé tellement de trucs dans mon atelier. Ah si, elle est là. Il y a la Dremel aussi sans fil qui est bien. Mais comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y a une question de taille. Bon, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Hein. Je peux pas dire le contraire. Mais par exemple, pour faire des trous bien précis, bah, moi, j'ai plus de précision avec ça. D'autant plus que je vous rappelle que je souffre du canal carpien et qu'avec ça. Vous voyez, c'est trop gros. Après, moi, j'ai adapté un mandrin universel dessus. Hein. Donc ça, c'est pas fourni avec poupette. Hein, mais c'est, voilà, je l'ai acheté en plus. Vous pouvez l'acheter soit chez Perlenco ou soit sur Amazon. Je crois que je vous ai mis le lien aussi. Les liens aussi. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me répondez? C'est une caisse à catastrophe quand je fais comme. Ah bon? Il faut t'entraîner, alors ici. Hein. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est la règle des 3P. Je vous la... Allez, on va voir si vous vous rappelez. Je vous laisse me dire la règle des 3... la règle des 3P. Alors, je ne parle pas des P qui font du bruit et qui sentent mauvais. Hein. D'accord? Alors, fourni avec 46 accessoires. J'ai des lunettes, ça protège un peu. Coucou tout le monde, coucou Fanou. Merve, merci toi aussi. Alors, je crois que je l'ai déjà vu. Ok, c'est noté. Bah, revoilà. Mais si toutefois, entraîne-toi. Franchement, il faut y aller cool. Et puis avec de la bonne résine aussi. J'ai acheté la cousine de poupée à Action. Rechargeable. C'est vrai, il y en a une à Action? Trop bien. Alors, elle est mastoc, la Dremel. Ouais. La Dremel à Action est super. Et pas cher. Et ben franchement, Action. Moi, quand j'y rentre. Enfin bref, c'est un autre débat. J'ai regardé la fiche technique de Poupette et j'ai commandé une identique à Ali. Ben voilà. Non, mais 55 euros, c'est abusé. Hein. Bon, alors vous dites quoi? Le C, le O, le V. Ok, donc le C, le O, le V. Alors le C. Donc le C dans ce sens-là, c'est mort. Parce qu'il n'y a pas. On ne peut pas accrocher en fait. Et dans ce sens-là, il n'y a pas l'accroche pour la puce d'oreille. À moins que. Non, non, c'est. Je vois pas. Le V. Alors, le V. Le V, ça. On est un peu loin. Hein. Peut-être même dans l'autre sens, là. Ça fait pas très. Non, je sais pas. Le. Bon, allez, écoutez, on va partir sur le haut, hein, qui m'a l'air plus pratique. Ok, donc je vais marquer là où je vais percer. Je vais utiliser quoi comme marqueur? Celui-ci. Et
Je vais me mettre dans ce sens-là. Ah, c'est dommage. Si, j'ai un modèle que j'ai fait, mais je l'ai mis où? Bon, alors attendez, comment je vais faire? On va faire comme ça. Et on va regarder là où ça se touche. Oh, ça va être chaud. En plus, ma pièce, elle est épaisse. On va utiliser des gros anneaux. Mais bon, au moins, vous aurez la technique. L'important, c'est que vous ayez la technique. Voilà. Et qu'après, vous en faites ce que vous voulez. Ok. Là et là. Donc, on va percer. Et je vais percer comme là, ma pièce est épaisse. Si je fais un tout petit trou, bah, j'aurai du mal à passer mon anneau. Alors ça, je vais le mettre derrière parce que comme je vais percer, on va ressortir la poupette. Donc, il faut percer en conséquence. Donc, je vais partir. Je vais d'abord percer avec l'accessoire qui est fourni avec poupette. Celui-ci. Qui fait un trou de 0,8 mm, je crois. Je ne sais plus. Bon, en tout cas... Bon, attendez, je vais vous faire un petit zoom. Ça, vous allez mieux voir. Et je vais aussi brancher mon téléphone. On est 60! Je suis contente. Il faut dire que le précédent live, j'avais pas beaucoup partagé. J'avais pas fait la pub de l'événement. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de monde ce jour-là. Mais là, j'ai pris les devants. Donc, je vais percer d'abord avec ce forêt-là. Et je prends ensuite un 2000 mètres, je pense. C'est parti. Donc, je fais d'abord le pré-trou. Comme ça. Enfin, je me mets un petit peu de biais. Et après, j'y vais comme ça. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais bon, vous imaginez. On reste bien perpendiculaire, ça, c'est important. Attendez, on voit plus le trou, là. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Ensuite, bah là, je vais le faire avec, du coup, le mandrin à main. Voilà, du coup, ça, c'est une... Je crois que c'est 2. Ou 1, je sais plus combien. Voilà. Du coup, ça me fait un trou un peu plus grand. Comme ça, après, je résine par-dessus. En contournant. Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi... Voilà. C'est juste enlever à l'arrière. Vraiment tout. Voilà. Il faudra juste éviter de remplir ça avec de la résine. Et si toutefois on le fait, bah après, il n'y a plus qu'à percer, quoi, en fait. Donc, ça, c'est fait. Les prochains trous, bah, ça sera sur la résine. Et on enchaîne. Donc, ça, on range. Ça, on range. On passe maintenant à la résine UV. Ça, on plie comme ça. Voilà, on en aura certainement besoin pour tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Et pour la résine UV, on va utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser comme... Donc, j'en profite pour vous... Attendez, je dézoome un peu parce que là... Oh là. Voilà, j'en profite pour vous montrer les deux formats. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de vous la présenter? Résine UV, contrairement à la résine époxy, vous avez qu'un, vous n'avez pas de mélange à faire. Tout est déjà prêt. Il faut la travailler, évidemment, vous évitez de la travailler dans une véranda en plein soleil, puisqu'elle catalyse avec les rayons ultraviolets. Ce serait dommage de ne pas avoir fini votre création et qu'elle ait déjà commencé la catalyse. Et aussi, faites attention à vos lampes. Parfois, vous travaillez avec des lampes qui émettent des rayons ultraviolets. Donc, faites attention. Quand vous... Enfin, moi, par exemple, pour faire mes lives, j'utilise que ma lampe BenQ, là, de chez BenQ. Non, la lampe 8, WIIT, de chez BenQ. Hein, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, qui n'émet pas des ultraviolets. En plus, franchement, elle a des différents modes et elle est top. Mais quand je faisais... Enfin, parfois, il m'arrivait de faire mes vidéos ou mes lives où j'avais deux spots supplémentaires sur les côtés. En LED, hein, et eux, ils émettaient aussi un petit peu de rayons ultraviolets, et je ne comprenais pas pourquoi ma résine a commencé à catalyser, et ben c'était à cause de ces deux spots. Donc du coup, faites attention aussi à vos luminaires. Donc ne travaillez pas à côté d'une fenêtre, si vous avez votre atelier, vous avez un Velux au-dessus, ah bah ben, fermez le volet, hein. Voilà, moi des fois même dans ma pièce, quand elle est baignée de lumière, ben, je ferme les volets un petit peu, je ferme un peu les rideaux, parce qu'en fait...
ça suffit à catalyser, surtout en plein été, à catalyser la résine avant qu'on ait terminé. Donc voilà les deux formats de chez Cléopâtre. Bon, vous le savez, j'adore cette résine. Elle est, j'adore sa viscosité. Elle est assez visqueuse pour faire des glaçages et du coup assez liquide aussi pour faire des coulures. Et si toutefois elle n'est pas assez liquide parce qu'il fait trop froid dans votre atelier, parce que vous travaillez des fois comme moi sur un carreau de céramique là, et ça a tendance, c'est toujours froid, hein, ça a tendance à refroidir la polymère et la résine. Ben moi, comme je vous l'ai montré, hein, je mets mon tapis dessus, ça me permet de chauffer en douceur la résine et du coup, ça va dans tous les interstices de mon moule. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous ne connaissez pas, prenez ce format-là, enfin, si vous débutez ou bien si vous n'utilisez pas beaucoup de résine UV, prenez ce format-là, 25 grammes et si, 100 grammes. Donc ça, c'est un nouveau format qui est sorti. Je l'avais annoncé en avant-première, mais il n'était pas encore prêt à sortir dans les magasins. Donc là, maintenant, c'est chose faite. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Sur Amazon, pas encore tout de suite. Ça vient. Enfin, il y est affiché, mais vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Sur Amazon, vous allez avoir celui-là. Vous pouvez l'avoir chez Perle & Co. Donc, je vous mettrai le lien. Vous pouvez l'avoir chez Dalbe. Si je ne me trompe pas. Cultura. Donc voilà, qu'est-ce que je dis d'autre encore? Vous pouvez le trouver. Voilà, hein, bon, certainement ailleurs, mais bon, en tout cas, moi maintenant, c'est celle que je vais utiliser. D'autant plus que la Padico, oui, je dois vous en parler. La Sundrop et la Stardrop ne sont plus sur Perle & Co. Beaucoup m'ont demandé pourquoi. Eh bien, parce qu'en fait, Padico doit revoir sa formule pour pouvoir la remettre sur le marché européen. Parce qu'hélas, ils ont changé la formule et ça ne convient plus. Donc, ils ne sont pas sûrs de pouvoir refaire une résine UV avec les mêmes propriétés et en ne changeant pas la formule. Donc, pour l'instant, voilà ce que je sais et ce que je peux vous dire. C'est triste parce que j'aime bien aussi la Padico. Mais heureusement qu'il y a la UV glace de chez Cléopâtre. Allez, on y va. Je vais utiliser aussi tout à l'heure mon flacon pipette. Donc, je transvase dedans ma résine UV. Et en fait, ça me permet d'avoir une précision. Parce que regardez, c'est une petite aiguille. Et du coup, ça me permet vraiment d'être très précise quand je verse ma résine, notamment dans le moule eau que je vais utiliser tout à l'heure. Donc, c'est une flacon pipette. Encore une fois, le lien est en description. Et par-dessus, j'ai juste mis un bout de Buna corde à l'intérieur. Parce qu'en fait, le bouchon, il est transparent. Et forcément, s'il est transparent, il laisse passer la lumière, il laisse passer les rayons ultraviolets. Et vous pouvez vous retrouver facilement avec votre résine qui catalyse... Enfin, au bout du bouchon. Si toutefois ça vous arrive, pas de panique. Vous débouchonnez ça, prenez une aiguille et vous poussez dans ce sens-là, hein, pas dans ce sens-là. Parce que sinon, ça va tomber, si vous ne l'avez pas débouchonné, ça va tomber dans votre résine. Donc, dans ce sens-là. Et puis voilà, le tour est joué. Je vous rappelle que la résine UV, vous pouvez l'essuyer comme les autres résines. Vous pouvez nettoyer vos outils et vous pouvez l'essuyer avec de l'acétone. Franchement, moi, j'utilise... Mince, il est où? Attendez, je l'ai mis derrière parce que je faisais les moules. Ah, voilà. J'utilise du dissolvant. Alors, pour le coup, celui-là, il n'a pas d'acétone, mais ça marche très bien chez Action, chez Lidl. Voilà. Donc, ça marche très bien. Donc, protégez-vous toujours, hein, encore une fois. Attendez, je réactive. L'aiguille ne se bouge pas avec... Ben voilà, j'en ai parlé. Pas de Cléopâtre chez Cultura. Ah, ok, d'accord. De Mada, ok. Il n'y a pas de résine chez Cultura. Ok, d'accord. Bon, ben, il n'y en a pas un. On a l'info en direct. Alors, je vais prendre une petite plaque. Donc ça, je vais le déplacer parce que ça me gêne. Mais vous allez voir, en fait, c'est très rapide. J'ai beaucoup parlé, mais la création d'elle-même, elle est très rapide. Attendez, je vais prendre... quoi comme plaque? Je vais prendre ça. Toutes mes plaques sont dégueulasses. Allez, est-ce que vous avez un reflet? Ça va. Si je me mets là, vous n'avez pas de reflet. Après, je vous ferai un petit zoom qui va bien. Alors, des gants. Bon, je vais essayer de ne pas me salir, ok? Mais sinon, vous, portez des gants. Portez un masque. Moi, ma pièce est aérée. Alors, surtout si vous travaillez longtemps... Putain, j'ai foutu... Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis là. Si vous travaillez longtemps avec de la résine, époxy, UV... porter un masque. Moi, je vous recommanderais de porter de façon votre masque tout le temps.
mais interdit aux femmes enceintes. Bon, ça, je pense que vous vous en doutiez. Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Je vais prendre ça, comme ça, je vais prendre ça. Allez, je sors ça, comme ça, c'est fait. Ah oui, je vais prendre aussi... Ah non, je l'ai laissé derrière. Attendez, je vais chercher mon petit... je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Oh my god. Voilà. Comme ça, j'ai tous mes outils. Et on peut y aller. Voilà. Je pense qu'on est ensemble jusqu'à 19h. On a encore 3 quarts d'heure ensemble. Et puis après, à l'apéro. Il est quelle heure? 18h15. Ok. Donc, j'ai tous mes outils. On va... Moi, je vais utiliser la résine directement dessus. Je vais mettre là parce que... Parce qu'elle est, neuve. Cléopâtre. Alors, je tiens à préciser que Cléopâtre, ce n'est pas en fait une vidéo sponsorisée. Cléopâtre ne me rémunère pas pour, pour en parler. Hein. Simplement, j'ai collaboré avec eux. C'est pour la raison pour laquelle il y a mon nom dessus. Avant la sortie de cette résine. C'est-à-dire qu'ils m'avaient envoyé des échantillons. Au tout début, bon, les membres, vous le savez. Hein, vous le savez, vous l'avez su avant tout le monde. J'ai fait partie... des personnes en fait qui ont testé la résine et qui ont donné leur avis sur en tout cas les échantillons qu'il y avait au début, avant la sortie même de voilà. Et j'ai également participé, par exemple, j'ai fait des créations et c'est la raison pour laquelle il y a en fait mes photos sur les packagings. Et ah mince, sur le packaging, on voit aussi il y a d'autres créatrices. Hein. Mais je ne suis absolument pas rémunérée pour en parler. C'est simplement que je kiffe le produit. Effectivement, j'ai participé à son élaboration. Non, je n'étais pas en mode chimiste avec eux en train de dire « Bon, on va mettre un peu de ça. » Non, pas du tout. Simplement que voilà, j'ai fait partie en fait, du processus et du coup, j'en suis très, très satisfaite. Je ne vous cache pas qu'au début, j'étais mitigée parce que moi, ma résine chouchou, c'était... Padico. Donc non, on touche pas à Padico. Et non, il peut pas y avoir mieux que Padico. Mais bon, je me suis dit, bon, écoute, Judith, il faut tester, il faut voir ce qu'il y a. Et effectivement, j'ai testé, et j'ai fait plein de tests. Et du coup, effectivement, c'est une résine qui a énormément de qualité. Donc, Padico n'étant plus disponible, je suis triste. Heureusement, on a la UV glace. Donc, on va y aller gentiment. Donc, celle-ci, elle est toute neuve. Hein. J'ai même pas besoin de la... Donc, j'en mets un petit peu. Attendez, je vais essuyer le bout. Ça, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement. Enfin, quand vous l'utilisez. Parce que, regardez, la dernière fois, il faut dire que je l'ai pas fait. Et regardez le bouchon, comme il est cracra. Portez des gants. Bon, si toutefois, vous mettez de la résine sur vous, c'est pas grave. Hein. Vous nettoyez, vous essuyez, vous allez vous laver les mains et voilà. Hein. Moi, j'ai pas un terrain allergique, mais si vraiment vous savez que vous êtes allergique, prenez pas le risque de ne pas porter de gants. Donc voilà. Donc j'ai mis ma résine. Alors oui, c'est bien d'avoir la résine, mais aussi il faut pouvoir la catalyser. Si vous n'avez pas de lampe UV, vous pouvez la faire au soleil, mais voilà, vous allez attendre longtemps. Punaise, je veux pas vous mettre le reflet. Si je vous mets là, vous l'avez. Je vais me mettre là. Hein, ça, vous allez regarder un peu sur le côté. Alors, les outils, hein, c'est complètement... vous prenez ce que vous avez sous la main. Si vous êtes déjà équipé, bah, c'est parfait. Donc, moi, je prends un pic pour tenir la pièce. Et je prends un autre outil. Alors, ça peut très bien être mon pinceau. D'ailleurs, je vais prendre le pinceau parce que j'aime bien. Le pinceau, vous le remarquerez, c'est en fait un ancien mascara de soin pour les cils ou pour les sourcils. Je ne sais plus pourquoi. J'ai lavé et voilà. Et on réutilise. Après, vous pouvez très bien prendre des pinceaux de... Des pinceaux nail art, si vous avez. Vous voyez, ce genre de pinceaux-là. C'est top aussi. Ceux-là, ils sont super précis. Hein. Ça aussi, ils sont top. J'aurais pu aussi les prendre, mais bon, j'ai pris au plus vite. Donc, je prends. Et je viens tirer la résine au bord. Alors, en général, c'est ce que je fais. Mais là, c'est dans l'euphorie. Je prends la résine en général et en fait je viens faire comme si je vernissais en fait. Je répartis la résine partout où je veux qu'elle aille dans un premier temps. Oh, bon, vous voyez plus, voilà. Avec mon pinceau, vraiment comme si je vernissais. Il est où le trou? Pourquoi j'ai l'impression que... Voilà. Et après, je mets la résine par-dessus et je la laisse aller se répandre. Dans tous les coins. Je lis plus le chat, il faut que je m'y remette. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai même envie de vous changer. Attendez.
Vous avez de la chance. Hop là. Je me mets, comment on dit? À 4. Non, je me... Oh, je trouve plus l'expression. Enfin, en gros, je fais vraiment en sorte que vous puissiez bien voir. Attendez. Je suis désolée, par contre, je suis toujours en train de vous... voilà. Je pense que là, vous voyez mieux. C'est moi qui voulais moins mieux voir. Mais allez, ça va le faire. Donc voilà, je n'ai plus qu'à... Je me plie en 4. Merci. Du coup, là, j'ai le chat room. Comme j'ai le retour d'écran juste sous mes yeux, je vois la chat room et vos réactions en direct. Ouais, je pense que là, c'est bien. Alors, des fois, alors, vous voyez le pic. Des fois, ça m'est déjà arrivé, en fait, je pique ici et après, je relève. Et après, je passe en catalyse quand je suis super pressée. Et en fait, à l'endroit où j'ai laissé le pic, il se peut qu'il y ait en fait la catalyse, elle se fasse en pic aussi. Donc, surtout là où vous avez piqué, n'hésitez pas à bien repasser comme ça avec votre autre outil que vous avez dans la main. Voilà, et à bien rependre un peu partout la résine. Donc, on en met assez, mais pas trop pour ne pas que ça rentre dans le trou là. Vous voyez ? Voilà. Après, si vous voulez un plus joli bombé, vous pouvez toujours ajouter au goutte à goutte la résine. Alors, des fois, bon là c'est bon, elle n'a pas fait. Des fois, on a une petite bulle, on attend qu'elle se casse avant, ou on la casse une fois qu'elle est tombée. Voilà. Je pense que là, on est bon. Il ne faut pas trop en mettre parce que du coup, ça rajoute de l'épaisseur. Attendez, il faut que j'essuie. Je n'ai pas préparé mon petit bout de papier toilette. J'utilise des feuilles de papier toilette, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Et voilà. Et on passe ça en catalyse. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Je regarde s'il n'y a pas de bulles. C'est pas facile. Hein. Avec vous, je pense que c'est bon. Hein. Comme la résine, elle est neuve. Ah, par contre, j'ai mal réparti ici. Hein. Ça ne va pas jusqu'à la pointe-ci. En fait, je ne vois pas bien. Voilà. Allez, on passe ça en catalyse. Ah, il y avait déjà quelque chose dedans. Surprise. Donc, je mets ça. Alors, je vais vous montrer dans quoi je mets ça pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que j'utilise aussi bien une torche. Voilà. Attendez, je ne l'ai pas allumé. Donc, ça, c'est une lampe UV pour la manicure. Manicure, pédicure. Je vous remets là. Je vais dézoomer un peu, non? Oh zut! Ah, je crois que vous avez perdu. Ouh! Voilà, attendez. Ça doit être une catastrophe pour vous de voir tout ça bouger comme ça. Voilà, et pendant que ça catalyse, on va s'occuper du haut. Le moule, il est là. Alors, ici, on va voir le haut. Ah, la pièce, elle est dans... Bon. Il va falloir que je détermine l'endroit où je vais faire les trous. Donc, si je mets... Là et là, un trou, je ne peux pas mettre un jams. Je ne peux pas mettre un strass. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir percer. Ça va être un enfer. Donc, en fait, je pense que je vais mettre 1, 2, 3. Enfin, je vais voir. Je vais checker après avec ma pièce. 1, 2, 3 jams en bas. Je vais laisser l'espacement pour faire un trou. Et après, je vais faire le tour jusqu'à faire ici aussi à laisser un trou. Vous voyez ce que je veux dire? On va le faire en direct de toute façon. Hein. Donc, alors... Pour faire le haut, de toute manière, vous pouvez très bien découper votre moule. Hein. Je pense que je vais le faire. Je n'ai pas osé le faire depuis, mais j'en ai un deuxième. Je vais le faire. Alors, attendez, je vous remets là-haut parce que c'est vrai que je ne coupe pas beaucoup bien. J'ai pas beaucoup d'aisance. Quand je vous mets là. Voilà. Hop là. Je vous remettrai là quand je ferai des trucs bien précis. Donc, je pense que pour que ce soit plus facile à rentrer dans la machine, on va découper. Allez, je vais le faire en direct avec vous. Je ne voulais pas le faire la dernière fois que je l'ai utilisé, mais... Alors, on va découper le moule. Je vais faire un tracé parce que je sens bien que je vais faire des bêtises et que j'essaie de faire un truc. Voilà, on va couper ici. Quoique les C, si je les laisse ensemble. Donc, je vais couper ici. Ici. Ah, ici, il y a les M. Oh, les M. Oh, mais les M, j'en ferai pas souvent. Allez, hop.
Les R aussi. Oh, j'aurais bien coupé comme ça, hein, direct. Et en fait, je voulais les laisser ensemble, si toutefois. Allez, on va pas se prendre la tête. Hein? On n'a pas 15 heures. Donc, je vais couper mon moule. Attendez que je biglouche pas parce que je vais pas couper mes lettres. Voilà, ça c'est pour en fait faciliter. Attendez, je remets un coup dans la lampe UV pour faciliter en fait l'entrée dans la machine, hein, pour que ce soit plus simple à gérer. Donc ce moule aussi fin, c'est le moule Cléopâtre. Vous pouvez pas le trouver ailleurs, je pense pas, parce que c'est eux qui le font vraiment aussi fin, des petites lettres aussi fines comme ça. D'accord, peut-être que vous pouvez le trouver ailleurs, je dis peut-être des bêtises. Du coup, j'ai dit quoi, le haut? Ah non, c'est l'autre qu'il faut que je garde. Ah bah, il y a des hauts dans les deux. Moi, je garde celui-là. Ok, voilà, c'est mieux. Et comme ça, je peux prendre tout de suite mon carré. Donc ça, c'est pareil. Je me suis coupé, en fait, un résine pad, pardon, de chez Cléopâtre, toujours. Je me le suis coupé pour que ça rentre pile poil dans ma machine. Parce que quand c'est trop grand... Bah soit on déplace, ce qu'on peut faire aussi, ce que l'on peut faire, c'est utiliser, attendez, non, vous avez le choix, hein. Soit vous utilisez une torche UV aussi, moi j'utilise ma lampe UV, ou soit vous utilisez aussi celle de Cléopâtre, alors ça c'est pratique parce que du coup c'est un banc, et puis vous pouvez soit l'utiliser comme ça, hein, vous pouvez l'utiliser comme ça direct, voilà, ou soit vous l'ouvrez et vous le placez. Alors par contre, quand vous faites ça, si vous travaillez avec votre résine à côté, avec vos petits contenants avec votre résine, vos mélanges de résine à côté, bah, faites attention parce que ça va catalyser. Alors moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fabriqué en fait un petit coffrage comme ça en carton. Donc je la mets comme ça dedans, vous voyez. Je la mets, alors voilà, je la mets comme ça dedans. Et du coup, ça catalyse uniquement l'endroit où je veux que ça catalyse. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Tous mes mélanges à côté vont durcir, en fait. Donc ça, voilà, ce sont les différentes sources qui vont vous permettre de catalyser votre résine UV. Allez, rentre là-dedans. Voilà, donc pour le haut, il faut commencer. Ah, je n'ai plus beaucoup de résine là-dedans, faut que je remette. Alors, déjà, on va sortir notre pièce. Super. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Bon, on va la laisser se reposer sur le côté, là. En attendant, on va faire notre pièce haut. Alors, avant de commencer, il faut la nettoyer. Parce que mon moule est dégueulasse à tous les coups, et c'est le cas. Il y a toujours un petit peu de poussière, et toujours... voilà, il ne faut pas hésiter à nettoyer. Voilà. Et on va commencer par couler une petite quantité. Coucou, la cuisine du clan GM, ça faisait longtemps. Ça va et toi? Alors, on va mettre maintenant. Donc la résine. Attendez, je vais vous faire un petit zoom parce que là, vous n'allez rien voir. Voilà, là, on est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le haut. Mais attention, je ne vais absolument pas remplir jusqu'en haut, le haut, justement. Je vais faire une première couche. Parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça va rendre après. Vous voyez, en fait, il faut... Oh mince, il faut que votre... vos strass... Attendez, voilà, ici, on voit mieux. Voilà, là, c'est bien, là, comme ça. Vos strass soient un peu en suspension. Il y a une partie transparente. Vous voyez? Donc, on va faire une première couche. Oula, la goutte. Une première couche. Oh là là, je travaille comme une cochonne. Justement, il faut éviter, donc je serai obligée de nettoyer. Une première couche, c'est pour ça que j'utilise en fait ma pipette pour bien mettre la résine en bas. Je vais mettre une première couche jusqu'à la moitié du moule à peu près. Voilà, je remplis bien. Je pense que là on est bon. Il faut quand même que je vérifie. Donc là, je remets tout de suite ça comme ça. Oh là là, faut vraiment que je mette mes loupes, ce que je vois de moins en moins bien. Donc une première couche pour aller jusqu'au fond. Voilà, et ça en passe en catalyse. C'est vrai, ça fait longtemps. Ouais, le temps passe trop vite.
Donc, je sais pas si vous voyez bien, mon retour caméra est trop sombre. Donc, ça, on catalyse 3 minutes. Enfin, je lance les sessions à chaque fois, c'est 3 minutes. Hein. Et pendant ce temps-là, hop, on revient sur celle-ci. Donc, on tourne. Donc, ce qui est bien avec cette résine aussi, c'est que. Je regardais si je n'avais pas de résine en mettant le bouchon tout à l'heure, si j'en ai pas mis, parce que si je la mets sur le travail que je viens de faire, c'est dommage. C'est qu'en fait, une fois qu'on a passé en catalyse, vous voyez le toucher, tout de suite, c'est lisse. C'est pas collant. Et ça, franchement, c'est appréciable. Pour tous ceux qui font de la résine UV, l'aspect collant, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Si toutefois vous avez une marque de résine bah, qui vous donne des résidus collants, alors l'astuce, je vous l'ai déjà dite, je vous l'ai déjà dit, en fait, vous prenez un récipient transparent. Bon, imaginons que ça soit transparent, c'est tout cracra. Vous prenez un récipient voilà, qui rentre dans votre machine et vous mettez de l'eau, vous prenez votre pièce, vous la mettez dedans. Et vous repassez le tout en catalyse. Pourquoi transparent? Comme ça, les rayons ultraviolets, ils passent partout. D'accord? Voilà. Et ça, du coup, ça va vous catalyser votre pièce entièrement et convenablement. Donc, on peut très bien utiliser aussi notre petit bidon pipette, là, pour faire, justement, voilà, le résinage. En précision. Alors, ce que j'apprécie vraiment avec cet outil, c'est que l'aiguille permet vraiment qu'on ben, d'être précis en fait, d'être super précis. Donc moi je fais tous les contours avec. Voilà. Et après, je prends la résine et je coule. Attendez, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais la répandre un peu là où je veux, quoi, en fait. Et c'est une activité super apaisante. Moi, en tout cas, je trouve quand je fais ça, voilà, je pense plus à autre chose et je passe un bon moment, quoi. Voilà. Alors normalement, quand je fais l'autre côté, je ne mets pas sur la plaque en verre, je mets sur la plaque en picot que je vous ai montré tout à l'heure, nos résines pads. Le souci, c'est que je l'ai mis en. Ah, j'ai oublié qu'il y avait un trou, malheureuse. Malheureuse que je suis. Vite, un coton-tige. Et ben, il fallait bien une boulette. Hein. Live sans boulette, c'est pas marrant. Hein. Hein, voilà. Bon, j'espère que j'ai sauvé On verra bien. Sinon, je serai obligée de repasser après. Bon, là, c'est mort. Hein. Je serai obligée de repasser après. Mais bon. Donc. Hop là! Ben, c'est bien que j'ai des bulles. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment elles auto-débulent facilement. Ou elles sont faciles aussi à casser les bulles là. C'est pareil, j'ai une vidéo sur différentes résines. Oh, mon Dieu, que j'ai testé sur Amazon, que je dois vous montrer. Ça vient, hein? Ça vient. Alors, vous avez plusieurs façons de casser les bulles. Soit, comme je suis en train de faire comme ça, soit vous étirez en étirant comme ça sur les bords, elles vont se casser toutes seules. Ou, alors attendez, je vais laisser volontairement les petites bulles là, en espérant qu'elles ne se cassent pas toutes seules. Soit vous utilisez la chaleur. Parfois aussi avec mon pinceau, en manipulant comme ça la résine, ça se casse tout seul. Ouais, bah là j'ai bouché le trou, hein. C'est pas grave. Je viendrai par la suite. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites bulles. Alors, avec la chaleur, vous prenez un chalumeau de ce type-là, hein. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, je vous le montre à chaque fois. Pour que vous voyez. Alors moi je vais en fait appuyer un petit peu sans déclencher la flamme juste pour qu'il y ait un peu de gaz qui sorte et une fois qu'il y a assez de gaz qui sort je vais déclencher la flamme en appuyant plus voilà en validant mon appui en fait et boum ça va faire un appel pas d'air mais de feu enfin boum et ça va pas en fait c'est juste le souffle de la chaleur qui va aller casser les bulles voyez il n'y a aucun contact avec la résine, enfin, aucun contact long en tout cas. Et voilà, attendez, je regarde. Elles sont cassées. Là, c'est parfait. Donc, faut pas hésiter à jouer avec justement les reflets. Allez, ça part en catalyse. Donc, ça sort. Et ça rentre. Vite, avant que ça rentre plus dans le trou. Oui, j'en vois une de bulle. Ah!
Est-ce que c'est pas trop tard? Elle est partie en catalyse, la bulle, hein, si tu l'avais vue. Sur quel mode tu fais cuire ta polymère? Haut et bas? Oui, non, j'ai pas de chaleur tournante parce que dans mon mini, en fait, dans mon mini four, j'ai pas de chaleur tournante. J'ai vraiment un petit four basique, hein. Je vous l'ai déjà montré. Donc, attendez, je vais regarder. Ouais, c'est haut et bas, hein. J'ai pas de chaleur tournante, mais c'est haut et bas. Et puis après, je mets les températures. Par contre, les températures, faites attention. Contrôlez toujours avec un. Contrôler avec un thermomètre parce que les mini fours comme ça, ça, vous avez des surprises. Alors, moi, mon mini four avant il était branché sur plusieurs autres appareils et j'avais remarqué en fait quand je branchais les autres appareils en même temps que mon mini four, j'avais moins de puissance à un moment donné. Donc, la puissance, forcément, la température baissait. Donc, voilà, travaillez avec un thermomètre comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater votre cuisson. Donc, avant de. Alors, ce que je compte faire ensuite, c'est mettre une deuxième couche de résine pour après insérer notre chaîne en strass. Mais avant, il va falloir que je calcule combien il va me falloir eh bien, de chaînes. Donc je vais déjà préparer ma pince coupante. Ça, je vais ranger, j'en ai plus besoin. Ça aussi, je vais ranger, j'en ai plus besoin. Voilà, on fait toujours de l'espace autour de nous. Je vais brancher le téléphone parce que j'ai peur de vous perdre. Attendez, hop. Désolée, je vous fais trembler. Je vais dézoomer un peu parce que là, c'est un petit peu trop, peut-être. Voilà. Alors, on va couper la chaîne qu'il nous faut. Bon, à mon avis, je vais compter. Parce que je crois qu'il m'en fallait 15, si mes souvenirs sont bons pour tout ça, mais je sais plus. Je crois 1, 2, 3. Déjà, on va. Je crois 3. Attendez, on va attendre que notre pièce sorte du. Sorte de la lampe UV pour déterminer exactement à quel mode de cuisson. Attends. Non, avant que tu la détruises. Ah, ok. C'est bon, alors. Alors, et vous tous, faites comment? Quel mode de cuisson? Bah, moi, en fait, mode de cuisson, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas de grille, c'est juste. Attendez, je vais regarder. Parce que du coup, j'ai. Tout est. Ouais, c'est en haut, en bas. Et après, juste la température. Enfin, mode de cuisson classique, quoi. Moi, j'ai vraiment un four basique. Hein. J'ai tout ce qui est de plus de basique. Moi, j'ai la chaleur tournante sur mini four et je cuis comme ça avec la chaleur tournante. J'utilise le thermomètre du four de Fimo. Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est celui que j'ai aussi. Et là, je viens de comprendre pourquoi mes gâteaux mettent davantage de temps à cuire. Bah voilà. Bah voilà. Exactement. Maintenant, tu sais, Eleonore. Parce qu'en fait, dès que forcément, tu utilises plus de puissance, donc tu tires sur. Sur l'alimentation, surtout si c'est une prise basique, quoi. Tu vois? Si c'est pas un four 36 watts qui est branché. Non, c'est. Je sais plus, c'est 36 watts. Je sais plus combien c'est de watts. Je ne veux pas dire de bêtises. Qui est branché directement dans une prise spéciale, quoi. Si c'est une multiprise qui tu utilises plusieurs appareils à côté. Bon, alors elle finit. Elle sort de. Elle en est où, elle? Ben voilà, c'est bon. Hop là. Donc notre pièce est résinée des deux côtés. Donc on peut très bien résiner aussi la tranche. Flemme, hein, mais vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc il va falloir déterminer. Moi je vais le faire ici. Je vais faire la simulation ici. Ok. Ah, ça va être beau, hein. Après, il existe aussi des strass. Il faut que j'en commande. Il existe aussi des strass de toutes les couleurs. Un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, attendez. Ça, j'ai bien envie aussi d'essayer de les acheter et de. Voilà, en fait, de toutes les couleurs comme ça. Vous voyez? Mais en fait, en chaîne. Bon, elles sont bien rangées, elles ne sont pas comme ici, hein. Elles sont bien rangées. Et ça, voilà, en fait, c'est toutes les couleurs rangées les unes à côté des autres et ça fait trop beau. Donc, vous avez vu, en fait, ça, c'est des boîtes de chez Action et je me suis fait des petits compartiments comme ça pour les ranger. C'est trop mimi. C'était trop mimi à faire et en plus, voilà. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais je compte en acheter plus. Donc, j'en étais où? À déterminer combien de strass. Alors, à mon avis. Ah non, heureusement que j'ai regardé un. Hein, parce que ça n'était pas du tout comme j'imaginais. Donc, si on regarde bien les trous qu'on a faits. À mon avis, 1, 2, 3, 4. Ok. Il va nous falloir 4 strass en bas pour que ça puisse correspondre ici et là. Et ensuite, attendez. 1. 1, 2, 1, attendez, je ne bouge pas. 1, 2, 3, 4. On saute 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ok. 4 et 12. Retenez, hein, parce que j'aurai oublié dans 2 minutes. Alors, on va faire 4. Bah, de toute façon, là, je vais les couper. 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les chaînes comme ça, parce que c'est trop facile, quoi. À travailler, à couper. Alors, faut pas que je me loupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici. Vérifie avant de couper. Parce que j'ai pas vérifié, moi. On va voir si ça fait 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la résine UV toujours à l'aide de mon flacon pipette. Si vous n'en avez pas, bah c'est pas grave. Vous faites dans une coupelle, vous mettez un petit peu de résine UV et vous venez la mettre goutte à goutte en fait. Tout simplement, vous venez la mettre goutte à goutte. Alors là, c'est important, faut pas trop remplir. Je crois que j'ai un peu trop rempli, mais c'est pas grave, je pourrais l'enlever aussi au goutte à goutte. Et vous allez vous... Enfin, faut pas trop remplir, parce que si vous remplissez trop, la résine va monter au-dessus des strass. Et moi, je veux pas, en fait. Je veux juste qu'elle rentre dans les interstices des strass, mais pas qu'elle soit au-dessus. Qu'on voit encore la brillance. Bon, on la verra encore, mais qu'on comment dire, que la résine ne recouvre pas, en fait, les strass, parce que, je sais pas, il y a le toucher qui est différent. Je veux pas quelque chose de bombé. Vous voyez, je veux vraiment que ça serve de colle, en fait. Donc, on va venir placer nos 4. D'où l'importance d'avoir une petite pince comme ça, précision. Donc, il faut le mettre bien. On prend son temps. 2, 3, 4. Voilà. On laisse la place pour les deux trous. Les deux futurs trous. Et on vient placer. Non, je pense qu'au niveau résine, j'ai bien mis. J'ai mis la bonne quantité. Donc, si vous n'avez pas de flacon pipette, hein, vous utilisez, comme je vous l'ai dit, une petite coupelle dans laquelle vous mettez votre résine. Si elle est trop gel, vous la chauffez un petit peu au heat gun. Ou si vous avez un tapis, bah, vous la laissez sur votre tapis. Comme ça, elle va rester tout le temps liquide. Et c'est ce qui est bien avec le tapis, c'est que vous n'avez pas besoin, à chaque fois que vous avez besoin de la liquéfier, d'avoir une consistance un peu plus liquide, de la chauffer, hein, en fait, hein, avec votre heat gun. Là, elle reste constamment chaude puisqu'elle est... Enfin, constamment à bonne consistance. Oula, je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train de les noyer. Oh, je vous jure. Hein. Donc, comme en fait le fond est déjà résiné. Et en fait, ça repose en fait sur la première couche de résine qu'on a catalysée en fait. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Attendez que je me mette bien droit. Voilà. Parce que vous l'aurez compris, si je mets des strass partout, si je veux faire mes trous, ça va être difficile. Et donc, ça repose, je vous disais, sur une couche déjà de résine catalysée qui va me permettre, par la suite, très important, eh bien, de faire le clou d'oreille. Vous allez voir après. Allez, ça part en catalyse. Boum. 3 minutes. Et je vais vous lire un petit peu. J'ai dû rater plein de commentaires. Hein, je suis désolée. Si vous avez des questions importantes qui vous avaient déjà posées par, enfin, il y a quelques temps, n'hésitez pas à les reposer. C'est un petit four, oui. Okay. Oui, les gros fours ménagers sont... Moi je ne fais plus dans les gros fours en ménager. Enfin, au début, quand j'ai commencé, oui. Mais comme là... Et puis, des fois, on a un petit volume à faire cuire. Voilà. C'est dommage de gaspiller autant d'énergie juste pour quelques petites pièces, en fait. Quel volume pour le four? Ah ouais, là, ça parle technique. Vous êtes à fond, là. Les strass dans la résine, on risque de perdre le relief. Tout à fait. Voilà. Après, s'il y a des facettes, oui, et qu'on veut vraiment garder l'aspect des facettes, c'est... Il ne faut pas résiner par-dessus.
Après, si on garde quand même de la brillance, hein, ça on la perd pas, mais c'est juste voilà l'aspect des facettes. Je suis en train de chercher un truc que j'ai peut-être déjà sorti, donc ça déjà je vais le ranger. Non, je crois que je l'ai. Ouais, je l'avais remis à sa place. Je vais repercer les trous en attendant. Alors, c'est un four qu'il faut que tu réserves pour les arts plastiques et les activités. Ok. Un mini four Continental Edison acheté en solde. Voilà. Bah là, en plus, c'est les soldes. Hein. Faut profiter. Hein. Alors, comment s'appelle le tapis sur lequel tu travailles? Celui-là, c'est le tapis de chez Perle & Co. Tu as le lien aussi en description. Ce tapis. Je pense que c'est celui-là dont tu parles. Très pratique. Alors, de ce côté-là, je l'utilise surtout pour tout ce qui est résine. Aussi polymère, ça dépend de ce que je fais en polymère. Mais si je ne veux pas avoir en fait les traces sur ma polymère du quadrillage qui est là, eh bien, j'utilise sur l'autre côté. C'est lisse. Tapis blanc, il y a un quadrillage. Tapis de Perle & Co, voilà. C'est un tapis terrarium sur Amazon. Ouais, celui-là, c'est le tapis du coup... tapis à la chaleur. Pareil, les liens... T'as essayé avec Swarovski? Bah non. Si, j'ai essayé avec Swarovski. Mais en fait, comment vous dire, le fait de travailler... Ah bah ça y est, c'est fini. Le fait de travailler... alors, très important, on a travaillé depuis tout à l'heure, on était en train de catalyser dans ce sens-là. Donc maintenant, on va remettre, bon moi toujours par sécurité, hein, je fais toujours les deux faces. Voilà, donc ça c'est reparti pour 3 minutes. Je me sers d'un mini four à pizza. Ben voilà, très bien, le tapis chauffant ou le quadrillé. Ah oui, donc là, tu poses la question. Alors, on va percer en attendant, parce que tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Ouais, s'il y a de la résine un petit peu dedans. Là, on y va doucement, on va pas comme un bourrin. Hein. On y va doucement. On évite de se percer le doigt. Je connais, hein. C'est vrai, c'était ici, la résine. J'y vais doucement. Ouais, je sais pas, il y a combien de... c'est bien rentré, là. Puis, elle est solide, cette résine, donc... Bon, à quel moment on arrive de l'autre côté, là? Allez, allez. Poupette, eh. J'ai les mains pourries. J'ai les mains pourrites. Donc, à un moment donné, faut arrêter les frais, hein. Alors là, faut pas que je dérape. Voilà. Il est là. Et du coup, on finit. Alors, faites très attention. Là, je me permets de percer sur une résine fraîchement catalysée parce que je travaille sur la Padico. Mais certaines résines ont besoin d'avoir un temps d'attente. Voilà, qu'elles refroidissent un petit peu. Parce que si vous percez comme ça après et que vous faites ça, votre résine, elle va être toute salie par cette poudre de résine poncée. Donc voilà, faites très attention quand vous travaillez les résines UV et que vous percez. Attendez vraiment que votre résine soit refroidie. Et voilà, certaines résines n'acceptent pas ce que je viens de faire, hein, tout de suite. Hein. Quand je vous dis vraiment la Cléopâtre, je l'adore, c'est pas pour rien. Hein. Après, c'est vrai qu'elle est chère. Ça, je me dis, c'est vrai qu'elle est chère, comme la Padico d'ailleurs, mais parce qu'en fait, elle a des qualités indéniables quoi, par rapport à d'autres résines. Hein. Mais cette résine, je l'utilise surtout pour tout ce qui est bijoux, voilà, comme ça, tout ce qui est accessoires, j'utilise en fait d'autres résines UV. Ça, c'est pareil, je vous en parlerai dans une... non, c'est pas Padico. Ouais, vous avez compris quoi, oui, c'est vrai, je me suis rendu compte que des fois, ça m'arrive de dire des... Voilà, de me tromper. Heureusement que vous êtes là pour me... Hein, vous avez compris. Voilà ce que ça nous donne. Alors, parfois... Oui, j'avais mis un peu trop de résine ici. Ah ouais, j'ai vraiment mis un peu trop de résine. Du coup, là, ça... Regardez, ça a bien recouvert. Mais c'est pas grave. Vous n'en mettez pas autant. Donc, vous voyez, l'importance, en fait, d'avoir ce lit de résine UV avant, ça va nous permettre, en fait, de refaire un trou pour faire la tâche. Alors... Là, on va faire son entrée les bavureurs, qui est un outil très appréciable également. Attendez, on va mettre ça derrière pour éviter de le salir. Vous voyez, en fait, ici... Ah, non. Ici, ça rebique un peu, là. Bon, je l'avoue, je me suis foirée par rapport à ici, parce que moi, je voulais vraiment avoir
Voilà, les reflets. Vous voyez les reflets ici des diams, des strass? On les a perdus ici. Mais n'empêche que ça brille quand même, hein. On n'a plus les facettes. Donc, on va venir légèrement. Après, bon, c'est pas grave, on peut toujours refaire par-dessus un bombé. Voilà, j'enlève légèrement, légèrement, je dis, parce que voilà, là, quand on raye, on gratte la résine, que ce soit résine UV ou résine époxy d'ailleurs, on perd de la brillance. Hein. Donc là, je viens juste enlever le petit bord qui dépasse, que l'on sent. Bon, libre à vous après, si vous voulez faire un topping, un glaçage, vous venez faire un glaçage par la suite. Hein. Moi, j'enlève juste. Voilà. Et puis travaillez proprement aussi, ça c'est important. Parce que si vous salissez les bordures du moule, vous allez vous retrouver avec ce genre de truc que je suis en train d'essayer d'enlever. Et voilà. Bon là j'avoue, j'ai eu la main un peu lourde sur la résine. Mais bon, ça le fait quand même. Oups là. Dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est faire les deux trous pour faire. Alors, on va regarder déjà si ça coïncide. Ouais, on est bon. Ouais, on est bon, on est bon, hein, ça va, hein, ça va le faire. On va utiliser des gros anneaux, d'accord? Et avant de faire le raccordement, je vais venir faire les deux trous. On va venir travailler aussi l'arrière de la pièce. Hop là, pour faire justement, pour mettre le clou. D'ailleurs, le clou, on va aller le préparer tout de suite. On va utiliser un clou flexible. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, je vous les ai déjà montrés. Ce sont des clous comme ça, celui-là. On va prendre celui-là, là. Il en existe deux types. Enfin, moi, j'en ai deux types, en tout cas. J'ai ceux-là. Ah, mon truc était tout dégueulasse de résine. Super. Attendez, je vais l'essuyer avec le chiffon. Je vais essuyer aussi ça. Comme ça, je pourrai toucher mes embouts. OK. Alors, moi, j'ai ceux-là avec une base, je crois que c'est 3 mm, non, 4 mm ici. Vous voyez, donc ça, c'est pour faire les clous. Hein. Alors, ça, c'est bien pour les personnes qui sont allergiques à tous les métaux, que ce soit l'acier inoxydable, l'or, l'argent ou que sais-je. Et ça, c'est pratique du coup parce que vous pouvez les utiliser pour faire vos puces d'oreilles. Et en plus, c'est flexible. Alors, ça passe au four quand vous faites aussi vos créations en pâte polymère. Alors, attention, moi, j'en ai qui m'ont dit « Ah ben non, ça a fondu !» Alors, il y a différentes qualités, faut croire. Il y a différents plastiques qui sont plus ou moins résistants. En tout cas, moi, les miens, ils sont résistants pour passer au four et à la chaleur du heat gun. Mais il ne faut pas abuser non plus. Il y a une limite, hein, d'accord? Donc, moi, je sais que j'utilise la pâte polymère Fimo. C'est 110 degrés. Donc, ouais, je pense que je vais aller jusqu'à 130, facile. Au-delà, je vous promets pas que ça restera dans cet état-là. Mais c'est vrai que il y en a qui en ont acheté, pas ce que j'ai acheté en tout cas, et qui se sont retrouvés avec des... Non, ceux-là, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin du petit, là. Et qui se sont retrouvés avec des puces d'oreilles complètement déformées. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci, mais libre à vous, vous pouvez très bien utiliser aussi... en acier inoxydable, hein. Donc il existe des plus petits plateaux. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez une pince qui coupe l'acier inoxydable et vous venez couper, en fait, tout simplement pour avoir vraiment quelque chose d'assez petit qui va venir ici. Après, si vous avez une autre lettre ou un autre support et que ça passe nickel, parfait, hein. Alors, on a préparé ça, on le met ici, on ne le voit pas, donc je vais le mettre ici, tout seul. Je vais le mettre là, dans le cercle. À côté, voilà. Ah oui, vous n'êtes pas dans le champ, alors attendez, hop, on va le mettre là. On a ça, on va mettre ça là. On va prendre poupette, on va faire poupette là. Je suis trompée de tiroir. On va prendre ça. Bon, je vais pas protéger mon plan de travail parce qu'il va falloir que j'enlève tout ça. Ah voilà, ça, je savais que j'allais. Est-ce que je suis bien? Oui. On va faire nos petits trous. Alors là, il faut bien viser. Parce que c'est tout petit. Oups là. C'est tout petit comme espace. Et il ne faut pas se louper. Que je vous lise un petit peu. Lapsus panico. Ouais. Je la vois plus chez Cultura. Apparemment, elle n'y est plus, Béatrice. C'est ce que disaient tout à l'heure les filles. Oui, énormément de silicone passe au four. Effectivement.
Des clous flexibles sans dentelière? Non. Et ça me fait penser qu'il faut que je les mette. Attendez, il faut que je le marque. Parce que c'est le genre de truc que je vais oublier. Je crois pas l'avoir mis, ça me dit rien. Alors, je vais mettre clous flexibles. Voilà. Ça, j'oublierai pas de le mettre. Ok, allez, on y va. On va percer. Donc, je fais mes pré-trous. Je vais me mettre à l'endroit. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Mais moi, je vois pas très bien. Bien au centre. Ici. Bon, on va les faire un par un. Là, si vous vous loupez, vous recommencez tout. En fait, vous remettez ça dans le moule et vous recoulez de la résine et c'est reparti. Hein. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, désolé, mais il faut que je sois précise. Voilà, on l'a un. On l'a deux. Donc, une fois que c'est fait avec l'embout, attendez, je vais prendre un pinceau pour. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais. Attendez, on va secouer ça sur la poubelle. Je vais. Oh punaise, c'est pas sorti. Attendez, je vais l'aspirer. Je vais faire des plus grands trous avec ça. Alors, je vais juste agrandir parce que vous voyez, on a quand même une bonne épaisseur. Hein. Donc, c'est bien, comme je disais tout à l'heure, c'est bien joli de faire des jolies pièces originales. Mais il faut toujours penser, surtout si vous vendez vos créations, en fait, à l'aspect solidité. Et testez, si vous créez vos pièces et que vous faites des pièces originales, n'hésitez pas à mettre à l'épreuve vos pièces. Alors moi, je les porte et des fois, je dors avec, j'essaie de dormir avec. J'aime pas dormir avec les bijoux. Je fais la vaisselle avec, ça dépend des. C'est surtout sur les bagues, des trucs comme ça. Je les teste pendant un bon moment. Et après, ça me fait une idée en fait de la solidité de mes pièces. Donc, on a fait les trous. Je pense qu'ils sont assez grands là. Voilà. Pour faire passer voilà l'anneau. Et maintenant, on va s'occuper en fait de la tâche qui va être de ce côté-là. La flûte, pour une fois que je suis avec vous en direct et pas en replay, il faut que je parte. Oh, les hommes enfin. Ah bah oui, les hommes. Moi ça va, j'ai prévu le coup. Ah oui, j'avais dit jusqu'à 19h. Bon bah écoutez, on restera un peu plus longtemps ensemble. C'est pas grave. Hein. De toute façon, on a bientôt terminé. Donc, bah écoute, merci à toi. Tu verras la fin en replay, tu vas voir. Ça va être top pour la fin. Parce qu'on va avoir besoin pain et fromage. Merci, bonne soirée à toi aussi. Hop là, attendez, il me faut mon embout boule. 2 mm. Celui-là, c'est 3, je crois. 2 mm. Dites-moi que je l'ai bien rangé, les amis. Dites-moi qu'il est là. Ah, il est tombé, il est là, ça va. Voilà, je crois que c'est 2 mm celui-là. Je vous ai mis les liens, c'est pareil pour... vous avez des embouts boules. Bon, moi, c'est un vieil embout. Hein. Maintenant, il en existe une vieille fraise. Mais vous avez des fraises rotatives maintenant qui sont tungstène ou je ne sais en quoi. Mais bon, c'est pour la fimo et la résine. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des super matières. Et qui sont beaucoup plus précises. Mais celle-là, elle fait très bien la job. Donc, je vais... Alors, je vais marquer pour que vous puissiez bien voir. Je vais en fait me concentrer cette fois-ci sur la zone où je vais insérer. Vous voyez? Attendez, voilà, où je vais insérer en fait le clou. Donc ça va être à l'opposé des deux trous que je viens faire, ici. Et c'est un clou en fait qui va rentrer dans l'épaisseur. Qui va rentrer dans l'épaisseur. Donc il faut que je grignote dans la résine ici. Pour qu'on ait quelque chose qui ne soit pas trop en épaisseur et qui ne soit pas disgracieux. Vous voyez? Donc, je vais venir... Là, je vais le marquer avec le feutre indélébile. Bon, déjà, c'est bien pour moi. Ça va me permettre de savoir la zone à creuser, à venir grignoter avec mon embout. Je ne sais pas si je suis au centre. Ouais, je suis plus ou moins au centre. Hein. Voilà. Cette zone que vous voyez là, c'est la zone que je vais venir grignoter avec mon embout.
ma fraise rotative en bouboule. Et attendez, je vais mettre mon masque. Parce que il y aura des petites projections. Et j'ai pas envie de respirer ça. Bisous. Ok, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Je vais vous faire un petit zoom encore. Je crois que je n'étais pas à fond. Voilà. Voilà. Je pense que ça suffira. On va faire un essai pour voir. Donc j'ai pris 2 mm parce que ça correspond en fait à. Oula. Ça correspond en fait à la base en fait de mon clou là. Alors, on va prendre le pinceau. On va nettoyer un petit peu. Il va falloir que je l'élargisse un petit peu. Il est là. Je pense. Ça, ouais, il va falloir que je l'élargisse un petit peu. Pas grave. Voilà. Donc, poupette. On la met là. On nettoie un petit peu. Et là, je suis sûre d'avoir assez de place pour mon clou. Encore un petit peu. On va lui faire une belle base, en fait. Bien solide. Voilà. Finalement, j'ai grignoté. Allez, hop. Soyons fous. Autant faire ça bien solide. Attendez. On va faire un truc même bien carré, là. Voilà. Pour les autres, j'avais pas fait ça. Mais là, j'ai envie. Voilà. Regardez. Hop là, je cadre bien. Vous voyez? On dirait qu'il lui manque un chicot. Voilà. Donc, on vient mettre ça là. On fait une simulation. Parfait. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut que ça rentre bien dans la résine pour qu'on ait quelque chose de solide. Parce que si je l'avais mis là, il y avait plus de risque de casse. Là, elle sera intégrée dans la résine. Par contre, là, il va falloir venir travailler la résine vraiment avec parcimonie. On ne fait pas un gros pâté. Hein. On travaille vraiment quelque chose de joli, quoi. D'accord? Et on va passer à cette étape finale. Non, l'étape finale, ça va être le montage. On y arrive. Alors, attendez, je vous dézoome un peu parce que là, les centimètres de mon plan de travail, vous les voyez bien là. Alors, on va prendre. On va prendre ça. Et je vais mettre un petit tapis rouge. Peut-être que ça va bien contraster et vous allez bien voir. Alors, attendez, il faut peut-être que je nettoie mon tapis qui est dégueulasse. Alors, je vais prendre un petit peu d'acétone. Non, mais c'est pas de l'acétone du coup, c'est du dissolvant. Sur un petit bout de papier toilette. Pour essuyer, parce que là j'avais utilisé des mica bleus. Voilà. Ok, c'est propre. Attendez, on prend cette partie là pour sécher. Ok. Donc, ce que vous voyez bien, on va rezoomer un peu. On est bien. Oula, pardon. Je fais trembler la caméra. Donc, je vais utiliser mon ami, le bidon, le mini bidon pipette, là. Et dès qu'on met la résine, comme vous pouvez le voir, hop, on retrouve la transparence. Parce que comme j'avais grignoté dedans, alors attendez. Hop, bon, je m'enlève mon masque. Bon, c'est pas grave, je le garde encore un petit peu. C'est que j'ai mis... Ah, il est là. Alors, ici, je vais sortir, du coup, ma torche. Parce que ma torche est bien pratique. Elle m'aide à catalyser de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je vous change d'axe? Non, vous voyez bien, vous imaginez le truc. Hein. Donc en fait, je me mets dessus. Attendez, je vais vous mettre mieux. Mieux que ça. Est-ce que vous méritez mieux que ça? Zoom.
attendez, je suis dézoomée là déjà. Ah oui, je suis dézoomée. Mais non, je suis encore en zoom. Ah voilà. Hey, c'est mieux là. Avouez. Oula, mon trépied qui fait un grand écart. Ah, va falloir que je le change lui aussi. Hein. Il commence à montrer des signes de vieillesse là. Alors, des clous dorés. Hein. Je dois partir. Bisous Agnès, bisous. Merci. Alors, est-ce que j'utilise ma pince ou ma main? On va utiliser ma main. Voilà. J'utilise ma main. Je pose. Voilà. Je regarde si c'est bien droit, bien perpendiculaire. Oula. On est bon, hein? Voilà. Et là, boum! Je m'écarte et je catalyse. Donc là, avec ma torche, c'est juste question de coller quelques secondes. Oh, c'est flou. Juste question de coller quelques secondes. Voilà, parce qu'après, je vais retravailler. Je vais rajouter de la résine, évidemment, par-dessus. Hein. Je vais surtout pas laisser ça comme ça, sinon c'est mort. Hein. Et je vais refaire un glaçage sur tout l'anneau. Comme ça, on est sur quelque chose vraiment d'ultra solide. Alors, un centimètre. Quoi dans un centimètre? Des clous d'oreille, ça doit être... Ça doit être standard. Ah oui, c'est 1 cm, ouais. Si vous faites vos clous d'oreille vous-même, vous avez aussi la possibilité de le faire. Ouais, 1 cm, c'est raisonnable. Et voilà, je pense que ça va suffire largement. Alors, il y en a de différentes longueurs. 1 cm et demi, ça suffit. Oh, bah, plus que... Après, ouais, ça dépend des lobes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des lobes un peu plus importants. Mais en général, ouais, c'est 1, attendez, on va calculer ça. 1 cm. Non, 1 cm, c'est un minimum quand même. Hein. Attendez, maintenant que j'y pense, là. Ça doit faire 1,4, 1,5. Je n'ai pas envie de toucher celui que j'ai déjà mis en place, parce que... Il n'est pas entièrement catalysé. On va plutôt utiliser un nouveau. Alors, attendez. Ah non, c'est pas 1,4 cm. Hein, c'est 1 cm, ce que vous voyez bien. 1,2. Je compte à partir du truc, hein, évidemment. 1,1 même. 1 cm, donc c'était ça. Ouais, c'était bon. À partir d'un 1,5, ça commence à faire beaucoup quand même. Parce que du coup... voilà. Je crois que j'ai eu à le faire une ou deux fois pour une cliente qui avait justement de gros lobes, enfin une grosse épaisseur de lobes, et qui me demandait justement d'adapter ça. Mais sinon, voilà. Alors, c'est parti. Donc, je prends toujours mon outil génialissime que j'adore et je viens mettre la résine tout autour. Donc, franchement, le flacon pipette, c'est un truc qui coûte 3 francs 6 sous. Et qui nous facilite la vie dans pas mal de choses. Alors moi j'utilise en résine UV, mais aussi pour la colle. Quand vous faites par exemple du scrap et que vous avez besoin de coller vraiment des choses bien précises. Voilà. Et aussi pour la fimo liquide, pour tout ce qui est les gourmandises. Vous savez, quand vous faites les glaçages ou les. Quand vous faites les. Je suis bête, je me disais, mais pourquoi j'ai un trou ici? Bah oui, j'ai un trou. J'en ai deux. Oh, bah dis donc, on les enchaîne les bêtises, hein. Ça faisait longtemps. Allez, je vais catalyser vite fait là, parce que il va falloir que je reperce. J'ai oublié que j'avais des trous. Alors, tes clous font 2 cm. Non, 1,1. Ouais, une petite bêtise de temps en temps. Hein. Hein? Donc, je pense que là, c'est bon. Attendez, je vais en rajouter un petit peu. Parce que du coup, j'ai vite catalysé pour éviter... voilà. Je commence à gargouiller, les amis. Mon ventre essaie de communiquer avec vous. Mais bon, ça tombe bien, on a bientôt fini. J'en rajoute juste question de voilà, sécuriser le truc. Mais sinon, c'était bon, hein. Je le remets en catalyse 3 minutes. Hop là. Et je vous remets là-haut. On est encore 56 et c'est bien. Voilà.
Alors, pendant ce temps que ça qui est allé, soit 3 minutes, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait un moule. Et merci à tous ceux qui l'ont acheté, surtout, je pense, les membres. Parce que, attendez, je suis en zoom ou pas? Non, c'est bon. Bon, l'accroche bracelet, vous connaissez tous maintenant. En tout cas, pour ceux qui débarquent, il faut que je refasse mon restock. Hein, parce que j'en ai plus beaucoup. En fait, c'est un accessoire qui vous permet d'accrocher tout seul ou toute seule vos bracelets. Voilà. Voilà. Alors, au début, moi, je faisais avec un trombone. Oui. Mais voilà, j'ai amélioré le truc avec l'accroche bracelet. Parce que j'ai reçu aussi pas mal de commentaires. Oui, un trombone, ça fait l'affaire. Mais bien sûr qu'un trombone, ça fait l'affaire. Mais bien sûr qu'une pince, alors aussi, j'avais ça aussi, je faisais ça avec ça. Je faisais ça avec comme ça. Ça aussi, c'est pratique. Il y a quoi d'autre encore? Il y a plein d'autres astuces pour accrocher ces bracelets tout seul. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est aussi beau? Et surtout, on a une meilleure prise en main. Faut dire ce qui est. Moi, avec mon problème toujours de canal carpien, le trombone, voilà, je ne peux pas le tenir longtemps. Tandis que celui-là, il est vachement plus précis. Donc, voilà, l'accroche bracelet, donc c'est un outil qui nous permet d'accrocher seul son bracelet. Donc, on accroche ici la chaînette d'extension. On prend l'hameçon ici, boum, on accroche tout seul. Et donc, j'ai sorti en fait ce modèle-là. Et beaucoup, alors, merci déjà à tous ceux qui m'en ont acheté. Pour Noël, ça fait fureur. C'était l'accessoire à avoir. Et du coup, ceux qui veulent aussi le faire, vous avez aussi la possibilité de le faire grâce au moule. Du coup, mon moule, je l'ai mis aussi en vente. Et j'ai énormément, je pense que tous les membres doivent l'avoir maintenant. Donc, j'ai fait une production de moule en silicone pour vous permettre de le faire. Donc si vous le voulez d'ailleurs, il est en boutique. Et vous avez évidemment le tuto qui va avec. Donc merci à tous ceux qui m'en ont acheté. Donc voilà comment je les conditionne. Et ça part vous rejoindre pour créer vos moules. Donc ça, c'est fait. Il faut que je refasse aussi une production parce que j'en ai plus beaucoup en boutique. Alors, moi, je l'ai bien reçu, trop bien. Il faut juste que je m'y mette à la résine époxy. Bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, ah bah ça y est, c'est fini. Donc, il va falloir que je refasse un trou, les amis, avant qu'on fasse le montage. Je vais quand même le repasser une dernière fois, le temps que je prépare les pièces. Comme je m'en vais faire des trous, c'était pas prévu. Voilà. Donc, on va prendre ça. Et on va chercher les anneaux. Parce que là, du coup, j'ai de l'épaisseur. Plus c'est épais, bah, plus il faut un anneau, un grand anneau, quoi. Donc, les anneaux. Moi, je travaille essentiellement avec de l'acier inoxydable, que ce soit acier inoxydable argent ou doré. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Je pense que ça va faire l'affaire. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. On va prendre les pinces plates. On va faire une simule. Je crois que j'ai plus grand. Non, je ne suis pas sûre. On va faire une simulation. Qui ne tente rien n'a rien. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Que vous puissiez bien voir mes gestes techniques. Bon, là, je ne vous apprends rien. Vous savez tous comment ouvrir un anneau. Peut-être pas. Peut-être pas. Quand on ouvre un anneau, les amis, on fait comme ça. Tchic, comme ça. On ne fait pas comme ça. D'accord? Mais ça, vous le savez. On choisit le côté. Moi, je vais prendre ce côté-là. Je crois que ça ne va pas suffire. Comme anneau, il va falloir un anneau plus grand. Je sais pas où j'ai rangé mes anneaux plus grands. Si, peut-être. Attendez. Attendez, je l'ai pas assez ouvert. Je vais mieux l'ouvrir. Et je crois que non. Là, c'est utopie. Hein. Regardez l'épaisseur du machin. Et regardez mon anneau. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Allez, on tente. Parce que j'aime pas quand il y a des anneaux trop gros non plus. Ça fait pas très esthétique. C'est mort. Il va falloir un anneau plus grand. Allez, on va l'enlever. Parce que je voulais qu'il reste fin quand même. Attendez, je sais plus où j'ai mis mes anneaux. En acier inox, j'en ai des plus grands que ceux-là. Allez, sors de là. Ah, sinon, on peut les fabriquer. Bah tiens, on va les fabriquer. Comme ça, vous saurez comment fabriquer aussi les anneaux. Du coup, ils seront en laiton. Parce que j'ai... Ah si, j'ai de l'acide inoxydable.
en fil, mais je crois qu'il est trop gros. Attendez, je vais voir. J'ai pas du 08. 08, c'est pas mal. Oh, si. On va faire avec ça. Allez, comme ça, je vais vous montrer comment faire vos anneaux. Il va falloir une pince ronde. Et ça, c'est bon. Oula, j'ai failli le faire tomber. Donc voilà, on obtient ceci. Il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. On va le faire en un rien de temps. Et après, on va pouvoir aller manger. Oula, j'ai faim. Il est où? Il est là. Il va falloir que je refasse des trous. Oh là là, poupette, hein. Allez, poupette. Ah, il faut que je change l'embout, par contre. Parce que si je fais avec ça, c'est la catastrophe. Ah, non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Non, c'était pas celui-là. Et j'ai mis où? Il est là. Alors, surtout, vous pensez à bien serrer à chaque fois. Bon, moi, franchement, j'ai mis l'embout universel et ça me fait gagner un temps fou à chaque fois. Parce que du coup, je peux bien serrer ma pièce. Mais que vous ayez une Dremel ou poupette, franchement, pensez à toujours bien serrer. Parce que si ça se desserre, ça vous échappe, boum, c'est le drame. Alors. Ah ouais, vous avez mis la résine partout, là. Désolé, hein. Vous avez poupette juste sous les oreilles. On va agrandir le trou, cette fois-ci avec ça. Alors, choisissez bien vos forêts, qui ne soient pas trop grands non plus, parce qu'il faut que ça reste dans... Voilà, il faut que ça passe et qu'il y ait aussi de l'épaisseur à chaque fois pour que ce soit super solide. Rappelez-vous. Hein. Ok. On va faire nos anneaux. Alors, on va choisir. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Je ne sais pas c'est combien de millimètres. On va faire celui-là. Celui-ci, comme ça, on est sûr. On va partir là-dessus. Donc, c'est simple. Bon, là, j'en fais juste quelques-uns. Hein. Sinon, on peut faire sur une grande tige. Je crois qu'ils sont trop gros. On va voir. On va faire quelques tours. Ça va suffire. On choisit une pince coupante qui fait de belles finitions. Attendez, je regarde juste si... Oh oui, c'est plus que suffisant, ça. Je vais juste en couper deux, pour le coup. Voilà. Alors... Avec cette pince coupante, en fait, ça fait un côté droit et l'autre côté en biseau. Vous voyez, ce côté-là, il est en biseau. Donc, il faut qu'on revienne pour couper cette partie qui est en biseau. Voilà, pour avoir vraiment une jointure impeccable. Vous voyez, ça, c'est important, ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le mandrin universel Dremel est en promo sur Amazon. Ça, c'est bon, ça. Moins de 10 euros. Ah oui, moi, j'avais acheté à 12 euros, je crois. Contre, voilà, 15 euros. Mais Magali, les bons tuyaux. Magali, les bons tuyaux. Heureusement que tu es là. Merci à toi. Alors, attendez. On va faire de ce côté-là aussi. Il m'en faut juste deux. Je pense que mes anneaux sont un peu grands. Non, je pense qu'ils sont bien. Attendez, le côté biseauté, non. Je ne l'ai pas coupé encore. Je pense que mes anneaux sont un peu grands, mais je pense que ça va faire l'affaire. On verra bien. Voilà. Ah non, mais ils sont un peu grands, là. Faut pas abuser. Bon, vous avez compris le truc. Hein. Je crois qu'ils sont trop grands. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est trop grand. Mais aussi, ma pièce, elle est épaisse aussi. J'ai pas le choix. Oh, non, ils sont, c'est horrible. Bon, on va quand même aller jusqu'au bout. Ah non, ils sont trop grands. On va jusqu'au bout. Hein. Après, vous vous adaptez. Hein. Vous voyez. Hop. Oh non, finalement, ça peut le faire. J'ai parlé trop vite. Moi, je les trouve quand même un peu grands, mais bon... Oula. Allez, ça c'est le côté le plus difficile à faire quand on en a mis un. Attendez, on va nettoyer un petit peu. Là, il y a un petit éclat. Bon, je l'enlèverai après. Voilà, ouh, c'est nickel. Il est passé tranquille. Bon, là, il faut faire super attention à pareiller sa pièce avec les outils.
Et vous allez voir qu'avec la chance que j'ai... Non. Je suis précautionneuse. Est-ce que ça se dit ça, oui? Je travaille avec précaution. Voilà, donc surtout bien faire les jointures pour que ça s'aligne bien. Et moi, je cache toujours les jointures, en fait, dans... Non, mais ça va, ça le fait. Je disais que c'était gros. Attendez, il y a un truc qu'il faut que j'enlève, là, qui me gêne. Je vais prendre la petite pince. Voilà. Eh, ça le fait, hein? Ça le fait. Attendez, je vais prendre un... Je vais prendre une cartonnette. Alors, je vous présente mes différentes cartonnettes rangées par... par taille de cartonnette. Donc je prends une petite cartonnette comme ça, juste pour vous montrer. Et bon, là j'ai fait qu'une seule boucle d'oreille, hein, mais vous imaginez bien que... Ah non, mais hé, prochainement en boutique, hein, prochainement en boutique. Bon, pas celle-là, parce que celle-ci voilà, hein, mais celle-ci, ça va être pour moi déjà. Est-ce que c'est le prototype? Et tous les protos sont pour moi. Alors, on va faire les petits trous. Donc moi, il y a des cartonnettes que j'ai pré-trouées d'avance. Et d'autres, en fait, je place mes boucles d'oreilles. Ah non, mais j'aime trop. Oh, pourquoi c'est toujours comme ça? J'aime trop. J'ai tellement de bijoux, les amis. Et pareil, il faut que je vous fasse une vidéo pour ranger, en fait, les bijoux. Parce que c'est pareil, hein, j'avais trop de mal à trouver comment ranger mes bijoux, et ça y est, maintenant j'ai un rangement qui est bien pratique. Alors moi j'utilise ces tampons là derrière, ces bloqueurs, ces stoppers, j'utilise cela, mais avant de les faire rentrer là-dedans, pour éviter en fait de tordre ça, parce que bon, c'est assez résistant, mais bon, pour éviter de le plier, ce que je fais, c'est que je prends quoi? Ah non, il est pas là, il doit être dans... Oups là, il doit être là. Voilà, je prends un pic en métal. Et je viens faire, voilà, je viens rentrer d'abord ça dedans. Comme ça, ça l'assouplit un petit peu. Voilà. Et ça a moins de mal, on met moins de force après pour le rentrer dans le stopper, dans le pic, là. Et ça rentre tranquille, vous voyez. Avec moins, en tout cas, d'insistance en appui. Ah non, mais j'aime trop. Faut que je fasse appel aux filles qui créent des moules. Des emporte-pièces pour qu'ils me fassent, pour qu'elles me fassent cette pièce. Je l'avais déjà évoqué lors du dernier live où on a fait ça, parce que ça, j'utilise deux emporte-pièces pour faire cette forme, par exemple. Celle-ci, bon, c'est un emporte-pièce que j'ai créé moi-même, mais c'est une pièce complètement aléatoire, voilà, il n'y a pas de mesure et tout. Mais celle-ci, pour vraiment avoir... Non, j'aime trop, hein. Non, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, je vais mettre ça là. Voilà. Après, libre à vous de changer les couleurs. Libre à vous de changer même les strass, les couleurs des strass, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez des strass multicolores, donc ça, du coup, ça peut, vous pouvez les porter avec n'importe quelle tenue. Alors, attendez. Je vois qu'il y a des textes depuis tout à l'heure là qui défilent. Le mandrin universel. Ouais, non, ça, j'ai lu. Attendez, ça, je vais le marquer aussi. Ça, c'est le genre de truc que je vais oublier. Le mandrin. Voilà. Alors. Elle va pas sur la ponceuse action. Ah zut, je l'ai et elle va pas sur ma ponceuse action. Ah mince. Ah dommage. Bah ça se visse pas. Attends, je vais te montrer. Poupette. Ah, peut-être qu'Action, ils ont des trucs bien à eux, peut-être. Peut-être qu'ils ont des embouts bien à eux et ils veulent pas... ils font comme Apple. Voilà, en fait, ça se dévisse comme ça. Regarde. Tu vois? T'as la vis, là, qu'on a aussi sur, les Dremel. Que ce soit ma Dremel sans fil ou ma Dremel avec fil, hein. Et du coup, après, on visse ça dessus. Et franchement, ça fait gagner un temps fou parce que du coup, on change plus les embouts. Ça s'adapte en fonction, vous voyez, ça se resserre. Le mandrin, il se resserre en fonction de si on serre ou si on desserre. Donc là, je vais remettre ça parce que sinon, je vais la perdre et je vais la remettre en place. Et c'est dommage, ça ne s'adapte pas sur ceux d'Action. Parce que du coup, je vous dis, Action, il tue le game. Hein.
J'ai été dernièrement, faut que je vous fasse un haul action d'ailleurs. Mais je vous le ferai après que je vous ai montré la vidéo de l'arrangement de mon atelier, parce que sinon ça va spoiler. Voilà. Ça va, je trouve la taille de l'anneau. Je trouve la taille de l'anneau. Ouais, je pense que tu veux dire comme ça, ça bouge. Ouais, c'est vrai. Comme ça, ça bouge, ouais. Non, je pense que c'est bon au niveau de la taille de l'anneau. Je pensais que ça allait faire un peu grossier, mais finalement, non, je m'y fais. Voilà, c'est juste qu'il faut que je me loupe pas la prochaine fois sur les strass, j'ai mis trop de résine. Et du coup, ce que je peux faire à la rigueur, c'est que je démonte le tout et que je fais un glaçage. Je fais un petit glaçage, bon oui, parce que moi, ce que je voulais avoir, et ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment que vous mettiez juste assez de résine pour que, voilà, on voit en surface les différentes facettes des strass. Vous voyez, comme ici. Et là, en fait, ils sont juste recouverts, quoi. Ça baigne dans la résine. Alors, quand ça vous arrive, bah, c'est pas grave. Vous faites un bombé, parce que là, c'est droit. Voilà, on fait un joli petit bombé, toujours avec notre petit bidon pipette, là. On fait le petit bombé. Et le tour est joué, quoi. Mais ça, je vais le refaire. Je vais le refaire bien. Voilà. Je vais le refaire bien. Comme ça, ce sera plus joli et plus... Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ça va, je trouve la taille. Oh, ça, j'ai lu. Comme ça, ça bouge. Ok. Chez Temu, il est à 6 euros. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à 6 euros. D'ailleurs, Temu, je n'ai jamais encore commandé. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est un peu comme AliExpress. Je ne sais pas. Il faudra que je teste. Je mets du papier toilette autour des pinces. Oui, pour éviter de les abîmer. Ouais, tu peux mettre aussi du craft. Pas du craft, n'importe quoi. Tu peux mettre ça aussi. Tu vois, du scotch de masquage. Hop. Comme ça, tu peux les enlever quand tu veux. Toi, tu les mets comme ça autour et tu peux les enlever quand tu veux. Comme ça. Tes cartonnettes, tu les achètes où, s'il te plaît? Ben, je les fabrique, Sandra. Coucou, Sandra. N'hésite pas à regarder comment je les fabrique. J'ai mis des shorts et des vidéos, justement, pour montrer comment je les fabrique. Ce sont des cartonnettes bien faites maison. Voilà, comme ça, ça me permet vraiment d'adapter. De toute façon, moi, c'est simple. Quand je trouve pas quelque chose, je le fabrique. Voilà. Donc, ça, c'est parfait pour les boucles d'oreilles. Ça, c'est parfait pour les petits clous d'oreilles. Mais même maintenant, les clous d'oreilles... ah oui, ça, c'est pour les clous d'oreilles gourmandises. C'était pour tout ce qui était gourmandise. Voilà, parce que ça fait un petit peu napperon. Voilà. Napperon de dessert, là, enfin. Ça, c'est pour les bracelets. Et ça, c'est pour les... Ah, j'ai pas encore mis mon tampon. Si, pour certains. C'est juste que... Voilà. Ça, c'est pour les colliers et les pendentifs. Plutôt les pendentifs. Après, ça dépend des créations. Quand c'est... Voilà, c'est ça qui est pour aussi les petites puces d'oreilles. Donc, c'est simple. Quand je trouve pas, je fabrique. Et là, je m'aide de ce que j'ai comme outil, c'est-à-dire ma Big Shot, qui est une presse, et avec des dies qui permettent de découper vraiment... de découper et de faire en même temps le truc couture là autour là, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'arrive à la fin. Sniff, bah oui, mais c'est pas grave, il y a le replay, t'inquiète pas. Sur tes boucles, alors sur tes boucles, la cartonnette ou la coquette sur ton tapis près de toi, on ne voit pas la marque du strass au niveau de l'anneau unique, tu as fait autrement? Ah oui, alors ça c'était les premiers. Oui, j'ai percé en fait en travers. Attends, il faut que j'enlève pour te montrer. J'ai percé en fait ici. En fait, là en fait c'est un anneau unique. Un anneau qui fait le tour avec les strass. Et j'ai percé en fait dans l'épaisseur. Comme ça. Et après je suis venue mettre, j'ai mis un clou. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis un clou avec une tête plate. Voilà, mais pour éviter que ça pivote, je suis venue mettre une petite goutte de résine UV. Pour ne plus que ça bouge. Boum. Mais ça, c'était les premiers. Donc, si vous vraiment vous voulez cette version-là, vous pouvez. Mais là, de toute façon, il va falloir, pour ce modèle-là, il va falloir percer. Donc, on peut pas mettre... on peut pas faire autrement, en fait, pour le modèle qu'on a fait aujourd'hui. Mais pour ce modèle-là, si vous voulez avoir... voilà.
enfin, ce même système-là, vous pouvez percer en transverse dans la tranche. Par contre, il faut vraiment, encore une fois, avoir assez d'épaisseur, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, faut pas quelque chose de super fin. Mais voilà, qui dit épaisseur dit, on a combien là? 3 mm, 4 mm. Attendez, je vais mesurer quand même comme ça, parce que c'est vrai que... Alors, ici, on est à... Ouh, on est à 3 mm... Non, attendez. 1, 2... 2,5 mm de résine. Après, on a mis... Enfin, c'est la couche, vous savez, la première couche en dessous. Même 2 mm. Parce qu'après, ouais, il y a eu le glaçage au-dessus. Et après, on a cette couche-là où il y a le strass. Et en fait, il y a juste assez de résine pour que ça passe juste entre les interstices des strass. Vous ne loupez pas, comme ici. Donc voilà. Merci pour les petits cœurs. Coucou, Christiane. Bonsoir à vous, chouette, la boule. Mais Christiane, t'étais pas là tout à l'heure? Ah non, tu réponds à Sandra, pardon, j'avais pas compris. Ah là là, c'est la fin qui me fait perdre la boule. Oui, j'adore la forme. La forme est belle. Ok, même dans l'autre sens. Merci pour les petits cœurs. Non, ça ne marche pas. La prochaine, ça sera une poulette. Même dire. Alors, c'était super. Merci à toi. Bah, avec grand plaisir. Donc, maintenant, vous savez comment je marie, en tout cas, pour faire ceci. Comment je m'y prends pour ces strass-là. Je pense que pour faire ce modèle-là, je le mettrai en tuto du mois pour les membres. Parce que ça, c'est un autre travail. C'est complètement différent. Voilà, pour faire ce clou d'oreille-là. Ça peut vous paraître facile comme ça. Ouais, elle a juste fait un anneau. Elle a mis le stopper derrière et boum. Non, c'est pas que ça. Comme je vous l'ai dit, il faut penser à la solidité. Et si j'avais fait que ça, comme j'ai fait là tout de suite que je vous ai montré, Amy, non. Là, c'est pareil. C'est un tout autre travail. Donc, voilà. Au début, je pensais les souder, mais finalement, non, je me suis dit, je vais l'essayer avec la résine UV et ça marche merveilleusement, d'autant plus que ça fait de belles finitions par rapport à la soudure où vous avez des trucs un peu disgracieux. Là, avec la résine UV, c'est propre, c'est nickel, c'est classe, quoi. Voilà. Vivement la prochaine vidéo, et ben, elle arrive, je travaille dessus, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira comme ce live, j'espère que ça vous plaît, oui trop cool, vivement, ouais, en tout cas ça m'a fait trop plaisir de reprendre les lives, de reprendre la création aussi, parce que j'avais pas créé bah, depuis les fêtes, hein. Et j'ai fait beaucoup de moules, j'ai fait des moules, pour faire notamment l'accroche bracelet, et j'ai d'autres idées aussi par rapport... au moule, et ça je vous en parlerai plus tard. Donc là ce sont des moules qui sont pas transparents avec lesquels on peut travailler que la résine époxy. J'ai d'autres créations et d'autres moules qui arrivent avec justement un silicone de moulage transparent qui vous permettra de faire des dingueries avec la résine UV et qui vous fera gagner un temps fou dans la création de vos futures pièces. Donc je vous en parlerai plus tard. Vous les membres vous en saurez un peu plus rapidement, mais je vous en parlerai plus tard. Merci pour la, c'est toujours aussi bien. J'aime beaucoup les boucles. Bah, je suis contente. Moi aussi, je les aime trop et je les ai adoptées. Va falloir me donner maintenant un nom, un prénom. Alors, je ne sais pas si je choisirais bien un prénom parmi toutes celles qui sont là. J'ai vu que des nanas. Hein. J'ai pas vu de mec aujourd'hui. Hein, à moins que je me trompe, j'ai pas vu passer. Mais en tout cas, je choisirais un nom. Tiens, je choisirais un nom parmi toutes celles qui ont participé là pour lui donner, pour le baptiser. Voilà, pour baptiser cette nouvelle création. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. On se dit à très vite, les membres. On se retrouve cette semaine. Je vous préviendrai à l'avance parce que tout dépend des travaux chez moi qui ne sont toujours pas terminés. Et je pense qu'ils avaient prévu fin février. C'est mort. Février 2024, je pense qu'on va y avoir droit encore jusqu'en été, si ce n'est plus. Quoi qu'il en soit, je vous préviens très vite pour qu'on puisse partager des live chat ateliers ensemble. Merci à vous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui vont voir aussi en replay jusqu'ici. Merci, bon courage pour les travaux. Oh là là, tu n'as même pas idée. Ça reprend, ils nous avaient laissé, tranquille pendant les vacances. Mais là, ça reprend de plus belle. Merci, gros bisous. Bon dimanche pour ce qui reste. Bonne semaine à vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse bien fort, les amis. Allez, sur ce, bon appétit parce que moi, j'ai trop faim.
Je vais dévorer mon plat comme jamais. Des gros bisous. Merci Magali. Merci.